Raconte. Deux. Et elle arrive sous vide. Comment c'est? Ah, c'est Salva. Ouais, allô. Alors, toujours en vie? Ouais, toujours, hein. Dis-moi. Fake. Attends, j'ai rendez-vous avec les services secrets, je te rappelle quand j'ai fini. Vas-y. Ouais, c'est comment? Bah, je suis. Allô? Ouais, allô, c'est qui? Hamilton, mais c'est bon, c'est géré, c'est par rapport à des transactions, t'inquiète. Vas-y, c'est nickel, bon. Vas-y. J'ai rien que des gars. Vas-y. Hamilton, j'ai rien compris. Bah c'est comment, bah cousin, c'est je sais pas, hein, c'est... On a envoyé des habitants là, à l'hôpital pour qu'ils nous disent s'ils le voient. C'est carré. Quoi d'autre, je pensais à un truc. Pour qu'on puisse s'introduire et tout. Et même pour qu'on puisse le faire sortir sans qu'on nous casse les couilles quoi. On se déguise en médecin, il nous faut des masques de chirurgien. Puisqu'on s'est cramé avec nos têtes tatouées, balafrées de partout. Et même avec masque, c'est cramé, frérot. Et même avec masque, c'est cramé. Mais bon, vas-y, je me dis, on va changer de coupe. Je sais pas, on va tenter un truc, t'as vu. Là, on a un véhicule de MS. On le prend, ouais. On se pose là-bas, on rentre. Je crois qu'on y va à 3. Et en gros, on dit qu'on a été envoyé par son père. On cherche le patient. C'est quoi son prénom, là, mon frère? Clark Bishop, voilà, on est une clinique privée, on a été payé par son père pour un transfert voilà, vers, je sais pas moi, un cabinet spécialisé pour des soins. Non, mais s'ils disent non, c'est pas possible, on n'a pas de truc. Personne nous a dit ça. Y'a rien à dire, on dit qu'on est une clinique privée, qu'on a été payé pour eux, c'est une société publique, donc ils ont pas leur mot à dire. Si un patient il a envie de. Ouais, mais les agents, comment ils vont escorter le truc? Bah, il est blessé par balle. Il lui croit ça va être simple. Bah, je sais pas s'il y a des agents, je sais pas s'il y aura des agents. Mais c'est sûr, blessé par balle, il y aura des agents. Ils vont l'embarquer pour l'arrêter. Surtout qu'il devait sûrement être pétardé. C'est KO. Attends, il m'a appelé. T'as capté? Allô? Ouais, bah je sais pas alors. C'est Mélo ça? Ouais. Non, c'est Juice. Voilà, tu vois, fils de pute, ça commence déjà. Mais non, mais je t'ai pas vu sur la gauche. Ça. Je pensais que t'avais fait une couleur, mais la même mère, j'avais. En fait, j'ai dit putain. Ouais, cousin, il est jaloux. Bref, c'est comment? En fait, moi, comment je vois le truc, c'est quoi? C'est que les tenues de médecin, elles servent juste à s'introduire. Mais après, on est obligé de faire de manière forte parce que c'est un peu. Comment tu veux que on arrive à le prendre sans qu'aucun agent, personne, rien, tout le monde nous laisse? Ouais. Déguisé en EMS, je pense que les autres EMS ils vont capter, tu vois. Ils connaissent leur. Les j'ai mecs deux tenues et quatre masques chirurgicales. Non, tu dis que c'est une clinique privée, comme on a dit. Moi j'avais appelé le truc des agents, mec. Les agents, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas mort. Mais avec la voiture de MS, tout ça. On rentre pétardé, voilà, et on baisse tout. Et il n'y a pas de finesse, t'as vu, avec eux, c'est ça. Après, il y a un EMS, par exemple, s'il y a un EMS qui est à l'intérieur, il peut donner des fausses indications au keuf. Ouais, par exemple, on va le faire sortir par en haut, il est en salle de repos en haut, et t'as vu, en vrai, il est en bas, et nous, on baisse tout en bas. Et à moyen, on met débit dans la merde, quand on voit un de nous habillé en... Le MS a dit, ah, bonjour, collègue Carlton, je sais pas quoi. Après, Jen nous a confondu quand il appelle. Yugi m'appelle. Ouais, allô. Peut-être ça va laisser passer les gens. Ouais, creepy. Ouais. Passe à qui les détenus? Ouais, j'ai deux petites questions, s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi. C'est quoi ce quatrième sac dont tu parlais à la fin en radio? Ah, parce que je pensais qu'il y avait quatre sacs, mais finalement, non. Non, ouais, je sais pas. Mais bon, t'es parti le dire. J'ai passé trois heures à chercher un quatrième sac, à savoir qui avait un quatrième sac. Arrête, Yugi, vous avez volé un sac, bande de menteurs, je le sais. On n'a pas volé un sac, c'est l'un d'eux qui est en prison actuellement. Arrête. Mais fais tes recherches. Vous avez volé. Bah les couilles. Fais tes recherches. Je vais faire un grave coup. Il est en prison. Il s'est fait taper avec le sac. Non, je te jure que si tu mets la tenue, j'en ai posé. Vas-y, je vais me renseigner, je vais voir. Mais... Renseigne-toi, il est actuellement. Donc là, le seul sac que vous aviez, vous l'avez perdu. Oui. Et
de votre côté, j'ai cru comprendre que vous avez sécurisé un des sacs. J'en ai sécurisé un, le sac que j'avais, je l'ai sécurisé. Et le deuxième, il était avec mon père, ils ont, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils se sont fait niquer. Il reste un masque par terre. Un hélico, je sais pas quoi. Creepy, quoi qu'il en soit, le plan reposait sur une chose qui n'a pas été respectée. Bon, il y a eu l'adrénaline énorme. Mais par rapport au parking, c'est qui la première voiture qui a démarré? C'est à cause des voitures. Bref, c'était un peu vieux. Il y a eu des décalé, gros. Je suis pas garé en compagnie. Creepy, on va pas remettre la faute les uns sur les autres. Quoi qu'il en soit, actuellement, tu me dis qu'il y a un sac de sécurisé. Moi, mon but, c'était que ton père reparte avec l'intégralité des sacs. Point barre. J'avais aucun intérêt à faire en sorte que ça se passe mal. Si j'ai mis 3 neveux à moi, c'est pour que ça se passe bien. Ils ont essayé de tempérer les négociations. Ils ont fait en sorte que ça se passe bien en bas. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bien récupérer le matériel, en fait. Parce que le matériel nous appartient. Ah, moi, j'ai donné à mon père. Je donne à mon père et je crois qu'il reste une MP5. Je crois que mon gars l'a jeté. Mais attends, je lui demande. Ouais, hey, la MP5, tu l'as jeté, Mélo, tu l'as jeté. Ouais, je l'ai jeté là. Ah, ouais, il l'a jeté, ouais. Mais nous, on a rien gardé, on n'est pas fous. Mais faut vraiment que tu vérifies avec tous les autres parce que. Voilà quoi, s'il y en a qui gardent des armes gratuitement comme ça. Non, ça sera vérifié. Et sache une chose, c'est que c'est mon matériel. Ah, c'est le tien, c'est pas mon père. Et je veux le récupérer. Non, non, c'est. Mais moi, j'ai donné à mon père. Mais au moment de lui, j'ai tout donné, moi, j'ai tout donné. Et. Ok, très bien, c'est noté. Et je crois que Ghost Dog aussi, il a tout rendu. Il vous a rendu, non, lui? Oui. Ben voilà, ben moi, je gérais lui et Ghost Dog. Ton pied a tout rendu. C'est ça. Double, fais comme nous, là. Tu changes vraiment. Ouais, mais vois, mon père, je vais tout donner. Demande, là, je sais pas, je crois pas qu'il est là, mais appelle ses gars. Je suis parti au Hill Jack, j'ai tout rendu. Ouais, bah, les clics. Je vais voir avec lui. Ok, vas-y. Vas-y. Je jure, ça passe. À vous, avez-vous besoin de soins, monsieur? C'est quoi cette coupe que tu nous as fait, Jus? Bref, c'est comment les habitants, ils voient rien à l'hôpital? Est-ce qu'il a mis Aston, fils de pute? Envoyez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? La coupe. Envoyez-moi quoi? Un masque chirurgical. Il est où le véhicule? Sortez-le. Y'a un mec à Sony en face en fait. Eh, regardez, je le sors, je le mets direct derrière. Allez derrière. Oh, les lunettes, non? Les lunettes, elles marchent? Ou j'en ai? Ouais, tu peux. Tu as un masque? Ouais. Tiens. Non, j'en ai posé un quatrième. Il est où? Tiens. Viens, toi quoi. Vous avez des vrais dégâts. Hey, Aston, change avec Juice. Tu penses? Il est en train de se faire cramer. Forcément. Je suis un baiser. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai aucun. Mais le masque, Toko, mets le masque. Il est où le masque? Comment ça s'appelle? Tellement ça ou quoi? Ça s'appelle masque. Ah, c'est pas cool ça. Ah, attends. Ouais, allô. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, les gars. Les gars, allez, alors, t'as géré ton pompier hier? Ouais, mais là j'en ai un autre. J'ai perdu tout mon argent, toutes mes armes. Comment ça? Sony, il a cambriolé là où je stockais tout. Mais non! Et là, il a tout chez moi. Oh putain! Je suis sur le coup là, je suis sur le coup là. Attends, si t'as besoin de. Je te prête des trucs hein! Bah ça, y'a moyen, mais je te tiens au courant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, bah tu me dis, moi j'ai ce qu'il faut. Bah vas-y. Là, je vais monter sur un plan pour essayer de le récupérer, mais bon, si ça passe pas, je viendrai te voir. Ouais, tu me dis, je te prête 2-3 trucs pour que tu puisses te défendre. Vas-y. Ok, ça roule, et puis n'hésite pas, j'ai une petite cargaison si tu veux que ça part. Ouais, t'inquiète, ce soir je te la prends. Ok, ça roule. Vas-y. Ça marche. Vas-y, à plus tard. Les gars, moi je suis cramé, non? Ah, t'es cramé. Faut vraiment que tu changes les coupes. T'as vu comme eux ils ont fait là, les coupes abusées. Les 13 couches, c'est trop. Non, ni les. Non, mais c'est bon, là on est une équipe, on passe pas. Ah ouais, hein. C'est quoi déjà? Je sais pas comment elle a trouvé le haut, mais. Ouais, comme ça, les gars. Ah, mais après, vas-y. C'est pas un masque, un truc, quelque chose. Ça, comme ça, c'était bien. Faut un truc, ouais, qui cache le max ton front. Mais y'a pas des casquettes, par exemple, des casquettes. Ouais, une casquette, un truc.
Donnez-moi une casquette. Ton bonnet, donne-lui ton bonnet. Ah, peut-être le bonnet, ouais, peut-être le bonnet. Attends. Passe-lui un bonnet. Bon, je crois que c'est lui, je suis pas sûr, attends. C'est de... Ah, tiens. Cousin, tu t'es... Jette-la, jette-la. Tiens. Vas-y. Tiens. C'est bon. Ouais, c'est bon. Non. Ouais. Oui et non, hein. Ça va. Ça passe déjà mieux, mais après, ouais. Après, regarde, c'est qui, toi, tu connais l'endroit, Double? Nous, regarde, Double et moi, on monte par en haut, les deux autres par en bas. C'est bon? Vas-y. Oui, monsieur. C'est carré? En fait, c'est Aston et Toko. C'est la police, hein. Oui, Aston et Toko, vous arrivez par en bas, comme ça, vous préparez déjà la voiture, parce que les blessés sont en bas, non? Ouais, voilà. Non, ouais, et moi et Double, vu qu'on est les plus cramés, on va par en haut, en haut, non, je pense pas qu'il y aura de keuf. On passe par en haut, on descend, on se rejoint, on voit ce qu'on fait, ok? Ah mais ouais, mais Double, il faut que je parle bien. Merci Aston, merci du conseil. Une boîte d'ACP, on a ou pas? Mais quand tu parles, Double, prends ton temps. Ramenez-moi une boîte d'ACP. Là, c'est Aston et Toko, vous parlez en bas, vous savez grave cramer. T'inquiète. T'avais déjà une boîte cramée ou pas chez toi? Collègue. Oh, allez. Merci, au revoir. Oui, bonjour. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? C'est compliqué en ce moment, rien à. Je suis fatigué. J'ai une petite question. Je vais vous donner une petite réponse. Une deuxième, pardon. En fait, c'est pour les hématomes 6 au niveau de l'intra jugulaire. Attendez, je vous ramène celle-ci, je crois. Oh, j'explique, j'ai diagnostiqué un hématome 12 au niveau de l'intraception. Un hématome 6 ou un hématome 12? Bah, je vous montre l'échographie, attendez, deux minutes. Bouge pas. Il est où ton badge? Pour descendre en bas, il est où le badge? Il doit choquer sa grand. Il est où le badge? Il est dans ma poche. Okay. Écoute, donne-le-moi, mets-le-moi dans ma poche là. Écoute, c'est comment tu t'appelles toi? Handicapé. C'est quoi ton grade, ton rang là ici? Je suis docteur et proctologue, je suis spécialiste dans les touchés rectaux. C'est comment ça? Bah, j'arrive à déceler des blessures ou des cancers ou quoi que ce soit grâce au toucher recto, donc un peu dans les fesses. Ok, écoute, tu tiens ta vie quand même, un peu. Bien sûr que ouais, je tiens, mais t'es pas con, t'es pas fou. Je suis pas fou. Regarde, là j'ai rangé mon arme, tu vois, mais à tout moment je la sors et je te mets une balle dans la tête si tu fais le con. On va repartir dans les internes, tu vas prendre le blessé par balle et le ramener en bas. Ok. D'accord. Ça marche. Allez, vas-y. Ici. Je l'ai braqué. Messieurs, comment allez-vous? Ben écoutez, moi ça va. T'es mal collé. Il va le ramener en bas, les gars. Alors, je l'ai braqué, ramenez-le. C'est bon. Suivez-le. Vas-y. Allô? Il est où par contre? Ouais. Dis-moi. Bon, Eden, ça va être très compliqué pour l'avoir dès ce soir. Elle se méfie comme la peste avec le rapproché. Par contre. J'ai quand même quelque chose pour toi. Dis-moi. Il y a une troisième personne qui est recherchée dans le Nord. Il y a Eden, moi et Allison. Ok. Je pense que si tu ramènes Allison, tu vas gagner un sacré paquet de pognon aussi. Je me renseigne, ok? Tu me laisses quelques minutes? Non mais je te le garantis, il y a même... c'est diffusé ouais, partout. Je finis là, parce que je suis en train de faire un truc important. Et je te rappelle, ok? Ok, ça marche. Vas-y, nickel. Allez, ramène-le en bas, là. Bah, votre collègue vient de me dire de venir avec vous. Non, on va avec. Êtes-vous d'accord? C'était mon frère, monsieur. Famille ou pas? Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis le docteur Capé. Je vais vérifier vos blessures. Je vais vous amener en bas. Il faut qu'on s'occupe du client, juste à droite. Il va le ramener en bas, les gars, écoutez. Il va le ramener en bas, là. Il va le ramener en bas. Ok, on dépasse votre chambre en bas. Va falloir qu'on bombarde parce que la meuf, elle a dit au keuf de rester. Déjà, dans une minute, ils vont se reposter. Vous bombardez.
Vas-y, vas-y, bah c'est bon. Okay. Il va le ramener en bas là, dites-lui. Vas-y, on dépasse sa voiture. Allez-y, allez-y mon collègue, descendez, descendez, ouais, descendez-le. Après, en vrai, c'est normal parce qu'ils vont pas se. Jamais ils vont penser que des EMS. Ils... Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? C'est très mal d'ailleurs. Je ne souhaite plus me faire toucher par cette dame-là. C'était une infirmière. Et voilà, monsieur. C'est ça. C'est ça, collègue. Oui. C'est bon, lâche-le. Là. Je suis où, monsieur? T'inquiète pas, ouais. Je suis sur le coup, merci. Non, mais t'inquiète pas. Où suis-je? Ne t'inquiète pas, merci bien. Je vous rappelle dès que j'ai les radios, je vous rappelle au plus vite, dès que l'IRM est faite, merci beaucoup. Eh les gars, en fait, dans le RP, est-ce qu'on nous a vu avec les caméras que j'ai sorti un calibre? Qu'il fait c'est une force. Je vais le baiser, frère. Non, mon collègue est très blague. Ouais, mes collègues. Ouais, c'est parce que c'est on sait. On se fait des blagues ensemble comme ça. Hier, monsieur, j'ai mal. Je vais laisser mon collègue s'écarter. Ouais. Faut du piment. On est où, monsieur? Je me suis fait opérer là. Les roues déconnent sur cette civière, c'est... Je vais vous aider, je vais vous ramener avec moi après. Allez-y, venez avec moi. Pourquoi y'a pas de civière, monsieur? Pourquoi vous mettez pas sur la civière? Les roues de la civière... Quand on va se barrer, les gars, là. Je vous ai dit, les coups budgétaires en ce moment... Et vous, là, vous laissez le médecin faire, aidez-moi! Allez, venez avec moi, monsieur. Allez-y. Craignez plus grand-chose, vous avez été opéré. On va le mettre dans un box, les collègues. Merci. On s'en occupe, t'inquiète pas, tu peux vous en occuper. Parfait. Ouais, on prend le relais. Ok, allez, je compte sur vous. Ouais, parfait, allez, salut. L'oxyne, aide-moi. Oubliez pas le cétiline. Parfait, merci bien. Allez, collègue. Hein. On va procéder au transfert, monsieur. Je t'attrape par les genoux. Viens là, par derrière, là, ici. Allez, hein, t'as déjà vu les vidéos quand les infirmiers frappent les vieux, là, dans les épaules. C'est pareil. Faites quoi? Avance, fils de pute. Je te tire l'oreille. Avance. On va transférer, t'inquiète. C'est une blague. Attendez, monsieur, fumez. Il se passe quoi? Bonsoir. Fumez juste votre cigarette, monsieur, et on va reprendre la suite de l'opération. Et pas de bêtises. Et la suite de l'opération, monsieur. Je... Installe-le dans le bloc. Ouais. On va investiguer quand même. Ah oui, laisse retourner à votre... Que se passe-t-il? Ils veulent investiguer. Ah oui, bah avec plaisir. Avec plaisir, pas de soucis. Moi, j'ai pas de dosage. En fait, c'était soit ça allait être facile, soit là, c'est grave dur. Nelson. Et j'ai envie que ça soit grave dur, Banks. Let's go. Les gars, ça merci, c'est trop simple. Là, on s'amuse, là. Là, c'est parti. Bon, oui, madame, oui. Je vous explique, venez. Ouais, expliquez-moi. Je vais remplir moi. Tu remplis le dossier des pisteurs. Ouais, je sais, je vais faire ça. C'est du patient tout à l'heure qui est passé. C'était quoi son prénom déjà? Vous m'expliquez à combien de kilomètres, monsieur? Non, c'est juste là, ici, à l'intérieur. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'est pas très débordé, mais regardez, venez. Ouais. J'ai bien compris. En gros, ce qui se passe. C'est que là, il y a les toilettes à gauche, l'ascenseur à droite. Est-ce que c'est normal que l'architecture a été faite comme cela? Qu'est-ce que vous me racontez, monsieur? En fait, c'est très simple, madame. C'est que dans la vie, nous, non, mais j'ai l'impression qu'on nous considère juste comme des machines à soigner. J'imagine, monsieur. Bah, j'ai croisé votre collègue tout à l'heure, j'ai discuté avec elle. Elle ne sentait pas trop en sécurité ce soir. Donc, justement, là, on a eu un appel. Alors, peut-être c'est un petit... Oui, moi, c'est moi le premier. Alors là... Mais...
Il y aurait une personne qui aurait été braquée à l'intérieur de l'hôpital. Vous n'avez pas croisé d'homme armé rien de spécial, du coup, monsieur. Non, mais on m'a laissé un petit truc là dans ma poche. Enfin, regardez, je vous le montre. Bougez pas. Mettez-vous contre le mur. Doucement. Posez vos radios, mettez-vous contre le mur, à droite, vite. Posez vos radios là par terre, tout ça, tout le bordel. Écoutez, monsieur, je pense pas que ce soit la bonne solution là. Ce que qui est le plus gradé là des deux, c'est qui? C'est lui. Ah, c'est moi. C'est quoi ton grade? Officier 3. Officier 3. Et l'autre? Officier 2. Ok. Bon, il n'y a pas de... Je sais pas comment ça va se finir. Il y a des patients dans l'hôpital, ça... monsieur. Hein. Vous savez, il y a des gens malades. Rentrez dans les toilettes. Vite. Rentre, vite. Écoute. Ouais. Ils vont partir avec juste garde là. Garde-les eux, ils vont partir. Ok, vas-y. Vous étiez dans la même patrouille, vous deux. Vous êtes arrivés qu'à deux. Ouais. Okay. On est arrivés tous les deux, oui. Allez, là-bas. On est arrivés tous les deux. Au fond. Oui, tais-toi. Allez, au fond. Vous allez bien? Ils vont s'inquiéter pour nous, monsieur, au bout d'un moment. Oui, si on répond pas... Vous êtes à l'hôpital sans sécurité, non? Il n'y a pas de raison qu'ils se doutent. Bah, si on est venu pour un appel, si on fait pas d'état de compte rendu, vous voyez, de l'appel, ils vont s'inquiéter. Elle est où ta radio? Vous m'avez fait déposer la radio juste de... Attendez. Ah si, bougez pas. Hein. Attention. Non, ils vont sortir leur calibre. Ah ok, j'ai eu chaud. Tenez. Allez-y. Je leur fais du coup. Vous dites ouais, tout se passe bien à l'hôpital RAS. Oula. Alors attendez, j'allume la radio parce qu'il y a des gens qui crient en radio. Donc ça semble le plus naturel possible. Donc si je l'écoute. Oui, allez, détends-toi. Souffle un petit, un bon coup là avant. Ouais, souffle. Je souffle voilà. Naturellement. Non mais souffle, expire, inspire. Oui. Allez, vas-y, fais-le. Qu'est-ce que vous cherchez du coup à faire dans l'hôpital, monsieur? Je comprends expire, pas. Expire, inspire et fais ton call. Ok. Elle veut pas. Adam 12, c'est code 9 sur l'hôpital. J'ai l'impression que t'as voulu faire. Bah, ça veut dire que c'est tout bon. Oui, mais tu l'as dit d'un air craintif. Bah, oui, bah, je sais, j'ai fait mon mieux. J'ai fait du max. Ça t'a répondu? Qu'est-ce que ça a dit? Ils ont dit c'est compris. Okay. Et là, il se passe d'autres trucs avec les autres. Ok, parfait. Maintenant, ok. Je la repose. Bougez du coup pas. Oui, repose là. Je la mets là. Non, ok, j'arrive. Voilà, parfait. Retourne-toi. Oui. Tends-moi tes bras. Comment? Retourne-toi et tends-moi tes bras là. Retourne. Écoutez, pour l'instant, je pense que vu qu'ils nous cherchent. Tabasse-le. Frappe-le, allez, vas-y, frappe-le. Non. Allô. Ouais. Si c'est trop chaud, nous on a deux cops en otage parce qu'ils nous ont coursé, c'est votre botte secrète. Vas-y. Vas-y. Allez, frappez-le. C'est comment, frère? Bon, petite galère. Qu'est-ce qu'il y a? Il est même pas rentré dans l'hôpital qu'il a appelé tout l'effectif puisqu'il il a vu qu'ils ont disparu pour 30 secondes. Il y a des voitures qui arrivent. Bah vas-y, on bouge. Non, y a pas de soucis. Ouais, tabasse-le, toi, tabasse-le avant que je presse la détente là. Vas-y, frappe-le là. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Encore. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Allez, encore. Là, il faut qu'on prenne, je sais pas en fait. Parce qu'il y a deux, il y a quatre caisses de moi. Bah, remonte-le par en haut, je sais pas. Oh, attends, je vais essayer de voir. Me dites pas GG, il y a 2 millions en jeu. Encore heureux, fallait que ça soit dur. Ouais. Monsieur, je crois que j'ai donné un mauvais coup là. Chut, rentre. Ok. C'est pas du tout. Bougez pas, ne faites rien. J'ai deux de vos collègues là, juste à ma droite. Okay. Attention. Doucement. On a deux collègues. Écoutez.
pas. Normal, il vient. On a votre cas là, on a votre cas. Faites pas les cons. Guevara, fais pas le con là, Guevara. Fais pas le con, fais pas le con. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que ça soit un bain de sang, cette putain de toilette. Non. Je bouge pas. Tranquilo, ok. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, on vous voulait pas de vous déjà pour commencer. Qu'est-ce qui se passe là, les collègues? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est bientôt bon là. Juste rangez vos armes, sinon on allume votre putain de collègue. Rangez vos armes, il y aura pas de bain de sang. Je rangerai pas mon arme tant que collègue. Avance. Viens, montre-toi. Il est pas armé. Montre-toi. Juste là, il y a ma droite. L'autre aussi, l'officier 3 là, avance-toi. Pareil, il en a deux, ça en fait trop honte. Regardez. Écoutez, Guevara, écoutez. Écoutez. Je discute pas avec deux personnes en même temps, je peux pas tout faire. Hein. Collègue, y'a quelqu'un avec le colis? Oui, t'inquiète. Ok. Écoutez. Ouais, j'écoute. On est venu pour quelque chose. Ce n'est pas vous ni vos collègues là, tout ce qu'on a. On va partir. Ouais. Chacun de son côté, et tout se passera bien. Tant que je récupère mes agents, moi ça me va. Hein. Je vous le dis. Oui, bien sûr. Là, on est en train de faire un scandale donc, quand même dans un lieu. C'est très grave. Il y a des gens qui ont le cancer ici, etc. Ouais, d'accord. Oui. Donc, on va se détendre, on va tout souffler un bon coup. Et puis on va. Puis voilà quoi, on va partir. Ouais, bah de toute façon, vous avez un de mes agents à l'extérieur, donc vous, en soi, vous pouvez partir des toilettes, vous allez rien avoir. Si vous parlez des toilettes, en soi, on peut pas vous coffrer, vous avez des collègues à l'extérieur qui braquent mes agents. En soi, vous pouvez partir des toilettes, senior. Non, les gars, je pense pas. Sortez, avancez vous deux, avancez, sortez. Allez dans la salle à droite là. Et toi bouge pas là-bas. Attention, allez, laissez-moi sortir en premier. Entre vous deux, voilà, parfait. Allez, vas-y. Avance, incapable, avance. J'avance. À droite. Doucement, dans l'hôpital, c'est doucement, pas de cri. Avance, allez, à droite. On va où ensuite? Attends, je me calme ici. Okay. Allez, avancez. Ok. Il est où le malade? Il est où? Je crois qu'il l'a pris notre dernier collègue là. Il est parti? Je sais pas, attends, je l'appelle. Restez ici. Mais vous reculez, vous. Reculez. On va aller en notre véhicule. Restez. Attends. Viens. Essaye d'appeler notre gars là. Demande-lui qu'est-ce qui se passe. Ok. Guevara, faites pas les cons, hein. C'est Guevara, c'est ça? On fait pas les cons. Non, c'est Guevara. C'est moi. Ok. Non, faites pas les cons, j'ai dit, c'est tout. Ouais. Il répond pas. Viens voir. Ouais. Non. Reste avec eux. Ouais. En gros, là, il a soigné safe avec le véhicule du paramédic, mais il a dit en gros, nous, faut qu'on se taille. Alors, faut qu'on se débrouille. Il est où, Sony? Il est dans la voiture avec Tovan. Sécurisé. Oh, ok, impeccable. Maintenant, nous, il faut juste qu'on sorte. On s'engrouille une fois le véhicule. Comment, frérot? Comment? Mais attends, parce que moi, j'avais missionné Mad et tout. C'est-à-dire, à un moment, il pose le véhicule, ça y est, un peu à côté là. Attends. On n'a pas de voiture. Attends. J'avais missionné Mad, ils étaient à l'hôpital. Ouais, allô? Il faut une voiture en bas. Allô? Et Guevara, ouais, écoutez. Attends, viens le garder, toi, là-bas, notre dernier collègue. Viens les garder là. Attends, il est au téléphone. Ouais, viens toi. Attends. Et on vous garde en joue là, hein. Attends, c'est risqué là, ce que tu fais. Hein. Attends, juste. Ouais, vas-y. Je te chuchote. Notre dernier collègue là, il l'a pris. Il s'est déjà barré avec le malade. Ils sont bien loin d'ici. On est ok. Ouais. Écoutez-moi. Donc là, on a juste à sortir, nous trois. On a un véhicule qui va arriver. Vous avez vu le parking là derrière? Ouais. On a un véhicule qui arrive là. Okay. Écoutez, Guevara, on était venu pour quelque chose, on annule. Et on veut partir là, on oublie tout. Ça. Bah on regrette là. Mais pour la maternelle, monsieur. Des remords. Des remords, monsieur, et des regrets, on veut partir. On peut vous rendre si jamais. On tourne la page et on efface tout ça, on reprend à zéro. Si vous voulez être clean, rendez-vous. Oui. Là, vous êtes. Oui, c'est une impasse. Vous avez quand même fait une prise d'otage que vous avez fait. Oh, tout de suite les grands mots, monsieur l'agent. Il n'y a pas d'otage. On est. Bah, une réunion d'amis, hein. Rien de bien spécial. Écoutez, vous êtes venu comment en véhicule?
Pas de lettre, c'est bon, c'est bon, je fais pas de lettre, c'est bon. Une réunion entre fonctionnaires de l'État, rien de bien méchant, monsieur. On va prendre la voiture des gars dehors. Ils m'ont quand même fait frapper par Tersan, hein, quand même. Il est venu, à pied, mais là on va trouver un véhicule. Oui, oui, et alors, allez, pour la peine, tu viens avec nous, toi, avance. Avance. Non, mais je vais qu'on oublie tout. Écoute, Guevara, écoutez. Je vous laisse les deux, là. L'officier 3 et ce mec-là. Combien? Ah bon? Sergent. Sergent. Ah, c'est oula, c'est quelque chose, sergent, quand même. On vous les laisse, on prend elle. On s'en va un peu plus loin. On la jette, tu vois. Prenez-moi elle, prenez-moi plutôt qu'elle. Mais non, sergent, vous êtes plus important. Bah oui, justement. Et puis juste, le véhicule, il est bon et c'est bon. Oui, vas-y. Justement. Qu'est-ce qu'on fait, Guevara? C'est à vous de me dire. Je vous laisse les deux. Oui. Je prends juste elle, histoire de voilà, d'être sûr que vous allez me laisser partir. Et je la prends pas. Vous êtes au courant qu'on va vous suivre, si vous la prenez. Oui, y a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne me suivez pas. Je sais que vous allez pas la respecter. Oui, dans tous les cas, on vous suivra. C'est ça. Donc bon. C'est bon. C'est bon. Tout est nickel. Ah, c'est bon. Pardon. Allez-y, madame. Avancez. Vas-y, monte le conducteur. Vous inquiétez pas, les gars, inquiétez pas. Elle a fait exprès cette pute. Oh la pute. Montez, ah, la... Chaîne, montez. De ces putes, où est-ce qu'elle a fait, frère? Téléphone, vous avez vu ou pas? Je vous donne tout. Un petit move qui nous baise. Vous savez que vous avez Guevara derrière vous, c'est quand même un as de la conduite. Vous allez pas le semer comme ça. Ça se voit, vous connaissez pas mon collègue. Le meilleur médecin de Santos. Je connais pas, non, mais bon. Vous allez voir, hein. Soyez pas impressionné. Je vous ai vexé, monsieur, du coup, c'est pour ça. C'est pour ça que vous m'avez emmené. C'est ça. Ah. C'est du fermer la bouche. Vous voulez bien faire connaissance, plus d'en plus forte, connaissance. Hein, elle est forte, les gars. Elle a été forte. Hein. Ah. Le code 9, en gros, code 9, ça veut dire c'est la merde. M'a desservi, du coup. C'est ça. Bon, bah. Je vais détour. Il lâche pas l'affaire, cousin, de le faire sans prendre mort. Mais là, je fais quoi? Vas-y. Tu l'as ou pas le. Ouais, là, c'est là, c'est là. C'est là. 250. Vas-y, je vais être là. Ok. Là, ça va à ta gauche. C'est quoi? Je rentre où? À ta gauche. Ah, ok. Là, je pense là-bas. Là. Ouais, ça, c'est propre, ça. Là, mes attentes, c'est sûr. Attends, toi par là, quand même. Ouais. Là, ce qu'on doit faire, c'est juste. Il va se faire arracher sa grand-mère, juste, les gars. Comment? Vas-y, trace, c'est plus loin. Là, va loin, là. Allo. L'aéroport. Attends, là, y'a moyen qu'on se fasse plus vite, je crois, là. Voilà, je vais les gars. C'est comment? Y'a plus rien. Ok. Attention. Gaffe. C'est dangereux, ça. Attention, de quoi, bande de salopes? C'est le conducteur, là. Putain. Je pense, oui. Moi, je pense. Ouf, oh, sa grand-mère. Et bien. Après, t'as eu une latino, on n'est pas réputé pour avoir de grosses bites. Hein. Hey, jette la tenue, jette la voiture, espèce de con. Tu restes avec, tu veux quoi? Tu veux qu'on se fasse niquer nos mères ou quoi? Jette la tenue, va, tiens. Oui, elle comment ça te parle, Toko? Elle comment ça te parle ou quoi? Tiens, trop de cul. Oui, sympa. Tiens, la deuxième tenue, trop de balles. Tiens, prends la voiture et va la ramener chez ta maman là. Okay. Enlève ta tenue, espèce de con là. J'enlevais. Vas-y, va prendre la voiture et ramène-la pour de vrai. Ramène-la. Ramène, stocke-la, garde-la et pose des tenues et reviens. Vas-y. Va me faire opérer tranquillement. Enculé, toi. Non. Vas-y, va te faire enculer. C'est quoi le délire là? Tu connais, on veut récupérer notre dieu. Le délire, c'est que là, tu vas mourir aujourd'hui. Je vais te fumer. Je t'avais dit quoi l'autre fois? Non, mais regarde, je sais pas quoi, m'en bats les couilles. Je t'avais dit quoi l'autre fois? Je t'ai dit, ne fais pas le con. Parce que toi et moi, c'est fini, c'est pas le même niveau. Hein, tu l'as bien vu, non, avec tout ce que. Hein, c'est bien fourni, les gars. J'ai pas dit le contraire. Hein, c'est dire, paye là, le Nord. Dire, là, il y a Chimie. Et Chimie, il est où d'ailleurs? C'est vrai, on a Chimie. Il est où? Encore dans la cave. Va le chercher, va. Vas-y. Il y a des équipements mélo qui arrivent, attends, appelez-le, direct. Ma merde. Mais... Là, du coup, toi... Mais y'a rien. Ouais, quoi?
Ok. On est en guerre. Guerre totale, t'as vu. On a sorti des mots, extermination, tout ça, t'as capté. Ah, le délire, c'est quoi? Tu vas me fumer et après. Bon, l'arsenal, il est parti. Je peux te dire ce qui se passe après. En ville, hein? Il va se passer quoi? Dis, ton arsenal, il est planqué quelque part en ville, tu vas me fumer et après. Tu vas pas me mettre la main sur ton nu, cousin. Ouais, 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 bah oui, mais. Ouais. Bah. Ils sont où, là? Comment vous étiez au courant de là-bas? Eh, ment pas, ment pas. T'as vu, je vais te faire comme dans les. En fait, non. Je vais te faire comme dans les films, hein. Torture macabre, hein. Tu vas en arriver jusque là, cousin? Ouais, 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 parle, vas-y, parle. Moi, je te dis, moi, je te dis. Attends. Allô? Allô? T'as coupé? Ouais. Ouais, c'est Guizmo, ça va? Bien, tranquille, ouais, dis-moi. Ouais, les gars, j'ai fait péter dans mon quartier, là. T'as dit quoi? Il y a un petit gars, il s'est fait péter dans mon quartier, là. Il s'appelle comment? Je sais pas, il y avait apparemment un peu, je sais pas quoi, et il a écrasé une cop. Il s'appelle comment? Je sais pas, il a un tatouage, je sais pas. Moi, bon. Je sais pas, il m'a pas dit. J'ai soif. Mais il a quoi? Il est blanc? J'ai ouais, c'est un blanc. Il fait l'Alpe. Il a des portes de l'Alpe. C'est quoi ton quartier? C'est quoi? Rancho. Ah ouais. Et par qui il s'est fait péter? Les cops, en gros, il est arrivé, la cop, ça c'est. Il a croisé la cop, c'est sans faire exprès, il a écrasé. Il a dû s'arrêter courser et il s'est fait choper. Cousin, arrête de t'inventer des noms, je n'ai pas mis 20 cops. Tu meurs, c'est comme ça. Clairement, t'as vu Chimim là encore. Vas-y, 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 bien vu, vas-y. Voilà, peut-être ça me fait mentir. Méga, peut-être méga, mais. Y'a quoi, Aston? Y'a quoi? Je connais Zedson. Après, c'est quoi? Il s'invente des rumeurs là, je crois que je vais mettre 20 sur ton rôle. Trop de bol. En gros, t'as vu quand j'étais habitant, j'avais vendu à Wayne. Et t'as vu ces gars, ils m'ont attrapé. Et ils m'ont dit, tu peux 20k, c'est Sony qui l'a dit, sinon il te canne. Et j'étais là, moi Aston, non, je parlais avec Chimim. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non, mais hors toi là. Je m'en fous. Mais t'as vu. Ta mère va monter la garde là. C'était pute. bref, c'est comment t'as su? Comment t'as su? Déjà, c'est vrai qu'il y avait Willem quand. Et il a pissé sur. Sur DC quand vous l'avez tué? Ouais. Ouais, ouais, on l'a pissé dessus, on lui a chié dessus aussi un petit peu. On lui a mis des bottes dans le cul. Comme un petit fils de pute de Suicider. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes des fils de pute. Il y en a nous, de ma mère. Nous, une grosse batte dans le cul, vraiment. La batte, elle est vraiment rentrée. Il a souffert. Alors que nous, Zach, on l'a tué avec honneur. Vous êtes vraiment des fils de pute. Hein. On a fumé Zach, fils de pute. Quelle question, t'es con ou quoi? Eh, prends ton téléphone. Il est pas assez double kill. Eh, rends-lui. Ouais. Vas-y, donne-lui. Je donne quoi? Son téléphone. Ah, ouais, tiens. Et avance un petit peu. Que se passe quoi? Avance un peu, là. Avance. Parce qu'en fait, t'as vu ton poteau Willem, lui, tu lui dis nana, on sait ça, on sait si, il fait que de mentir. Donc là, tu vas l'appeler et tu vas lui dire, écoute, Willem, c'est la merde pour toi, cache-toi. Parce que là, ils sont au courant que t'étais là à la mort de DC et que t'as chié sur lui, nana. Vu là, pour moi, il pourra pas me dire, je sais pas quoi, je suis pas au courant. Et le frérot, il va se cacher, si je le pète, il sera mort. Pourquoi tu me smoke? Pour un fils de pute de Switch. Il m'a fait plein de trucs, fils de pute. Donc là, c'est la goutte de trop, là. Et parle bien de dissiper son âme. Ma mère, un vrai vaillant. Un vrai G. Un vaillant. Je l'appelle, tu veux, je l'appelle comment? FaceTime. FaceTime? Ouais. Comme ça, il voit. Ça va te servir à quoi, cousin? Parce que lui, c'est un menteur. Appelle le normal. Ouais, t'as raison. Appelle le normal. Ne décroche pas. Envoie-lui un vocal et tu lui dis. Et je lui dis quoi? De se cacher? Ouais, tu lui dis en gros que nous on est au courant, qu'il a pissé sur truc, nan, et qu'il est. Que là il est dans la merde. Ouais, Willem. Bien quoi, tranquille. Elle s'est couru au quartier là, apparemment. Fils de pute d'en face, ils sont au courant que t'étais là, qu'on a fumé d'ici. Ça fait. Reste à l'affût, fais gaffe à toi. Bref, vas-y, recule là.
Et du coup, comment vous avez su pour le local? Je suis content, je peux me barrer, c'est bon. Oui, ah ouais, toi t'es bien con, toi, c'est loin d'être fini. Vas-y, va au fond là. C'est comment pour le local? Comment vous avez su? Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si c'est nous, attends. Allez, mettez la cagoule. Regarde, ça a tiré, les gars. Mais qui a tiré? C'est pas nous. Non, ça va pas tirer. Ici, vous avez pas entendu? Non. C'est un shoot, hein. Ouais, vas-y, Gigi. Comment t'as su? Regarde-moi. On l'avait depuis, quoi, 3-4 jours. R6. Hein, les gars, c'est pas discret, hein, les gars. Hein. Local juste derrière votre bloc, quand même. Oh. Les gars, là, ça a tiré à votre place et je me sens. Vous se barrez là, non, les gars. Vous êtes pas entendu là? Non. Là, de toute façon, là, t'es pas au courant. Là, y a un bateau qui arrive de Cooper et tu vas finir avec lui là. J'ai pas de galère avec Cooper, tu sais. Pourquoi il me suce des petits encore? Il y a une voiture. Les gars, je vous ai dit, ça a tiré, les gars, ça sent pas bon. Vas-y. Tout. J'ai capté. L'angle, vas-y. Apparemment, il y a les flics qui traînent pas loin. Oui, il va venir, il va dans une voiture. Ça pue. Il arrive. Je prends. Non, c'est bon. C'est bon. Tu fais quoi avec elle? C'est qui elle? Eh, saute. Va dans l'eau, toi. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Va dans l'eau. Attends, va pas dans l'eau. Reviens, Tito, reviens, tu crois d'où là? T'es qui? Je sais pas, moi je dormais juste ici et je sais pas, on reprend comme ça. On arrive, y'a les keufs juste derrière. Allô, c'est une bonne place, de toute façon, tu veux qu'on fasse quoi avec? Ramène une voiture. Ouais, Cripsy, dis-moi. Si, va ici. Reste là. Dis-moi, ça t'intéresse, R6 ou Performance? Combien? 354. Avec les clés? Avec les clés, tout. Bah, vas-y, garde-la moi. Non. Je te la prends, vas-y. Non, ça va aller, merci. Les cops, pas nous. Tu t'appelles comment? Oh, demoiselle, tu t'appelles comment? Lorenza. Lorenza, ok. Lorenza, tu vas être mon outil de torture aujourd'hui. Ah, ok, cool. Place-toi devant Sony. Vas-y. C'est le monsieur. Allez, vite. Lui? La Sony, je vais poser des questions, hein. Tu réponds, sinon ça va partir en couille. Ok. C'est quoi? Elle va me galer, ce cousin? C'est quoi le délire? Non, jamais de la vie. C'est quoi la torture avec elle? C'est quoi la... Si tu réponds pas dedans, je vais l'obliger à faire un truc. Qui va pas te faire plaisir. Hein. Ok. Ouais, du coup. C'est moi non, je parle à lui. Ouais, du coup. Là, ils sont où, tous nos trucs là? Nos armes, tout ça. Oh. Tu peux commencer à charger un molar ou pas, madame? Quelque part. Dans un de mes entrepôts. Je comprends pas votre langage. Mais tu fais quoi dans la vie, toi, madame? Je suis à la recherche d'un emploi et avant, je travaillais à l'Unicorn. Tu as un emploi dans quoi? Les gars, mettez-moi une chaise. T'as une chaise ou pas? Non, j'en ai pas. Vous sentez très 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 bon, madame. Les gars, il y a moyen de me donner une chaise, s'il vous plaît. J'ai pas. Ouais. Putain. Personne n'a de l'eau là à boire? Personne? Non. Oh, demoiselle, bon, viens. Bougez devant moi. Ici, viens. Ok. Écoute, je vais te laisser partir. Prends mon numéro, 943-30. Pour ta voiture, tout ça, je vais te trouver un boulot là, pour m'excuser. Ok? Non, j'ai vraiment pas besoin, je veux juste récupérer ma voiture, s'il vous plaît, c'est le seul truc qui me reste. Toi aussi, tu la récupères. Parce que je suis SDF là actuellement et j'ai juste ma voiture. Tu cherches un endroit où dormir? Non, juste ma. Enfin. Actuellement, j'ai rien, oui, mais. Écoute, chez nous, il y a plein d'appartements, on peut t'héberger, hein, pas de problème. Hein. Vous me faites peur un peu avec votre cagoule et votre arme là, je. Face au mur. Oh là, dingue. C'est fini. Il se passe quoi? Aïe. Oula. Il se passe quoi, sa grand-mère? Aïe, les gars. Ça part.
C'est une copse, la meuf, je la connais, c'est une copse. Oui, ça. Oui. Viens. Allô. Viens. Avance. Il y a les flics sur nous. Moi venez, bon, venez, avancez. Avancez. Pardon. Venez, avancez. Parce que l'exemplaire, elle est partie, elle est restée 10 ans. Vas-y, mais ils font quoi, les autres? Ils font quoi? Vas-y. Mais ils font quoi? Pourquoi ils mettent 10 ans à venir? Je sais pas. Il y a 3 patrouilles, ils m'ont dit on peut pas venir. Mais pourquoi vous le dites pas, sale fils de pute? Pourquoi tu dis pas? Il y a des trucs. Ils viennent m'appeler maintenant. Vas-y, avancez. Bon, vas-y, avance. Avancez, j'ai dit d'arrêter d'avancer ou pas? Avancez là! Putain. Comment, y'a moyen de nous ramener une voiture ou faut quoi? Faut quoi les gars pour avoir une voiture? 3 patrouilles. C'est de voir, c'est de voir, mais ça me répond pas. Non. Comment ils ont été prévenus? Aïe. Les gars, je vous parle à vous là. Libérez-moi les gars. T'as vu, on calme la situation, on peut voir. Et tout se passe bien les gars, tranquille, la vie de ma mère, comme ça on arrive là, ça part encore. Donne-nous une avant. Déjà truc. Enfin cousin. Laisse ça. Qu'est-ce qu'on fait les gars? On lâche un otage, la meuf déjà, parce qu'elle a rien à faire là, je crois. Hein. Et vas-y, hein. Bougez, prenez la buffalo, vous deux, barrez-vous. Bonsoir, messieurs. Bon. Et ils nous ont juste ramené une voiture, hein, c'est tout. Vas-y, dis-leur, hein, là, ma fille, on se pète en quatre. Il démarre. Non, voilà, ils me foutent la haine. Oh, ils vont laisser trop, lolo. Bon. Messieurs. Est-ce que vous m'entendez, messieurs? Viens voir. Ouais. Oui. Fouille le téléphone de la meuf au cas où. Je vais pas parler à toi. Le téléphone. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On se demande qu'est-ce qui se passe là. Oui, je vous le donne. On était dans une petite discussion. Je voudrais à boire, s'il vous plaît. Y a rien dans une chaise et à boire, tout de suite. Rien. Je vous entends très très faiblement là. Je voudrais une chaise et à boire et de suite. Pardon. D'accord, à l'échange d'un otage, non, c'est ça? Non, rien du tout, je veux une chaise. Je veux une chaise, sinon je vais commencer à lui mettre une balle dans la jambe, là, tout de suite. Sur la demoiselle. Je compte jusqu'à 5. Je me retourne, il n'y a pas de chaise, je presse. 5, 4, 3, 2, 1. Attendez, il n'y a pas de chaise. Laissez-moi demander en radio. Amenez une chaise, là. Laissez-moi demander en radio, alors. Baissez votre arme. Tout de suite, là, tout le monde, là, il y a bien une chaise, là, dans le tas. Oui, un petit instant. Et t'attends quoi? Je demande en radio, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce que t'attends pour demander dans la radio? Vas-y. J'ai demandé en radio. Calmez-vous, voilà. Y'a pas de chaise là? Juste une simple SDF pour l'instant, donc voilà. Ouais, c'est comment? Non, RS. Même les appels, tout. Ouais. Vas-y, je vais m'approcher et vous déposer la chaise, d'accord? Vas-y, fais vite. Voilà. Monstre. Et les gars, ça s'est fait. Ah, je me sens beaucoup mieux. Ah oui. Ça vaut pas la peine de partir dans une petite folie, d'accord? Bon, donc nous on va vouloir récupérer ce monsieur derrière vous et cette madame sain et sauf, d'accord? Donc, quelles sont vos revendications, monsieur? Non, ce sera pas possible ça. Ah. Et pourquoi ça? Là, je suis fini de boire et manger, je vais me barrer. Ouais, mais vous pouvez vous barrer sans ce monsieur et cette madame. Ah, le monsieur, c'est un ami. Ah, c'est un ami, monsieur. Vous avez pas vu sa gueule? Il faudrait qu'il est tout blanc, tout hein, tout nez. Enfin, comment on dit? Je savais pas, vous m'avez compris. Ouais, je vous ai compris. Du coup, vous allez libérer madame? Je vous laisse la demoiselle. Mm-hmm. Et puis,
Et puis voilà quoi, vous partez et nous on va rester ici. Ah ça je crois que oui, sans le monsieur ce serait pas possible. Doutez bien. C'est la merde, hein. Bordel. Qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, moi je suis à l'écoute de vos attentes, mais malheureusement, vous doutez bien que si vous partez avec un otage, on vous suivra. Moi aussi, si vous voulez, dans ma voiture, j'ai, mais... Donc nous, on veut récupérer, comme je vous dis, madame et monsieur. Et puis après, au petit bonheur, la chance, comme on dit. Mais si faut, vous la déposerez à la première. Non, ce sera pas possible. Je vais jamais le lâcher, lui. Donc je vous laisse la demoiselle, et puis voilà, je pars et faites ce que vous voulez. Y a pas de souci, le souci, c'est à partir du moment où on a un otage dans un véhicule, vous savez, on met nos forces dessus. Hein. Oui, mais vous avez pas le choix, monsieur, vous avez pas le choix. Oui, mais oui, c'est ce que je dis, on n'a pas le choix de suivre. Ah, parce que vous me suivez pas si je les laisse les deux. Écoutez, mais disons que la force n'est pas la même. Mangez, buvez là. Je vais descendre. Allez-y. Oui, je venais nos armes. Prête-toi, fils de pute, va. Commence à prendre ton téléphone. Tu l'as. Commence à appeler tes gars. Qui voulait avoir tous nos trucs. Allez, moi, cassé. La vie de ma mère. Moi, j'ai une bouteille d'eau dans mes poches là, mais j'en ai qu'une sur moi. Écoute, t'as gardé toi mon numéro, c'est bon? Vous m'avez dit combien déjà? Je crois que tu parles des murs. Je te le donne tout de suite là. T'es prêt à noter? Donne le tien. Dégage, je donne un numéro de quelqu'un. 5 50. Tu connais. 5. Attendez. J'ai la quoi, elle est. 54-525. Quoi, il prend son numéro, fils de pute, y'a pas. La vie de ma mère, j'ai pris moi aussi. 525 54-525. Oui, c'est ça. Au nom de quoi? Lorenza. C'est bon, grand Kimo. Tu veux noter toi aussi? Ok, bon, prends mon numéro, t'es prêt à noter? Toi, comment ça pas appeler des gars qui ramène tout notre jus là? Je vais m'en sortir. C'est à dire, comment ça joue tous mes trucs et comment ça. Sinon quoi, petit fils de pute, y'a des cops. Sinon, une balle entre tes deux yeux et moi je partirai, je m'en bats les couilles. Tu vas me la mettre maintenant, ta putain de balle. Vas-y, mets la main devant les cops, c'est sûr. Vas-y. J'ai pas les couilles, tu joues bien, mais toi t'es une salope, t'as vraiment cru que j'avais les couilles. Ah ouais, les gars, il a chaud, hein. Bref. Eh, monsieur l'agent. Oh. Ouais, monsieur, oui. Ça va? Je t'entends très mal. Sa grand-mère, ce groupe, waouh. Vous êtes cousins, ils font quoi? S'il vous plaît, ils font quoi? On dirait qu'ils jouent à Call of, ils font un autre truc, mon frère. Mon micro, il a quoi? Là, ça sature toujours, là? Bah, frère, c'est comme ça. Tranquille, les gars. Les gars, ils font quoi, les autres, s'il vous plaît? C'est bon. Les gars, je sais ce que vous voulez. Vous avez juste à me relâcher. C'est bon, j'ai parlé. Je vous aide à vous sortir de cette merde là. La plus grande, il attend juste qu'on bouge. Mélo, qui? Mélo. Ouais. Bah, tu attends juste qu'on bouge et. On fait un plan mieux. Vas-y. Et comment s'appelle le. Vas-y, bah, venez. C'est bon, vous avez faim, pas soif. Non, c'est bon. Ok, vas-y. Merci. Eh, monsieur l'agent, je vous laisse la demoiselle. Hein, okay. Je vous la laisse. Mmh. Et puis, faites ce que vous avez à faire. Hein. Ouais. Viens là, Sonia, avance. Monte vite, fils de pute. Vas-y, accélère, cousin. Monte, fils de pute, monte. Vas-y, monte. Oh, l'autre aussi, monte, cousin. Les gars. Tranquillement. Je vais donner mon numéro, là, je peux pas tout faire, les gars. S'en bat les. Ouais, c'est ça, fils de pute. Attends, je vais. Vas-y, regardez bien les hertz. Vas-y. J'attends juste Mélo, il me revoit là. Sur la droite, il y a une hertz. Et je suis obligé de vous aider, les gars. Putain, mais c'est interminable, hein, ce soir. Non, je ne veux pas aller dans le nord. Non, les gars. Non. C'est des putains. Il est chaud, sa grand-mère, c'est qui ça? C'est pas grave, ça va, j'aurais pu comprendre.
Ah, c'est Guevara, là, j'en ai pas rapide. Moi, j'ai... Oh, les gars, Guevara tout seul, ils s'en foutent. Moi, il y a l'SPD. Va bloquer, va bloquer. Vas-y, Kixi va bloquer, lui. Putain, merde. Là. Putain, mais tout ça, c'est ça, mes fils de pute. Putain! Pas de gars, ah, t'as compris pas, c'est. Même le pH, c'est plus dur. C'est ouais, je vais leur faire un film de cul en fait, au BCSO, j'ai capté en fait. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Putain. Mais regarde, je vais te torturer là, ici en plein milieu. Regarde, bah les couilles. Ouf, oh, sa grand-mère, descends. Putain. Bienvenue dans le Nord. Hein. Là où tout se règle. Je vous dis la vérité, j'ai la haine, les gars. J'ai clairement la haine, les gars. Putain. Ils étaient putes d'LSPG de merde. L'autre, il a fait une accélération. Je suis à la frontière. Vous allez faire comment pour être sans? Tu crois qu'ils vont pas t'attendre? Tu veux laisser une voiture? Tu voulais que j'appelle Méga? Tu crois que Méga ils vont monter dans le Nord, cousin? On est obligé de retourner dans le Sud, Crépy, arrête d'être con. C'est comment j'ai aux autres de venir ou pas? T'en es chimé? Ah non, faut qu'ils laissent. Ah, ils ont chimé en bas? Ben ouais. Ah. Je sais pas, mon frère. Oh lolo, lève nos armes. Et vas-y. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu m'aurais libéré. Viens aller voir mes gars. Non. On aurait fait un rendez-vous comme j'ai déjà double. Regarde, on va redescendre dans le sud. On va faire un échange dans le bon et du forme. C'est tout. Dans un endroit, t'appelles tes gars, tu leur dis ramène tout. Tous nos trucs là, vous avez pris tout. Attends, mais viens voir double. Vous avez pris quoi là-bas? Vous avez pris quoi? J'ai pas vérifié les stocks, mais t'es bien équipé, hein, petit bâtard. Hein. Ouais, normal, je t'ai dit, il ne faut pas jouer avec nous. Il y avait quoi? Il y avait un pompe, ouais. Un mousquet, des pétards. Il y avait mon argent dedans. Allô. Mon argent. Vous avez énervé, dis donc. Hein. Et mes armes aussi. Hein. Oui, mais bon, la vue, ce qu'il y avait en jeu, hein. Ah, ils peuvent s'énerver. Oula, ils sont passés la frontière? Qui ça? Mais là, au pire, dites que vous, en gros, vous savez même pas qui on est, on a forcé le truc. Mais j'ai rien à leur dire en fait, je vais pas me justifier, je les emmerde. Ah, vous avez bien raison, monsieur Cooper. Vous voulez venir dire bonjour à Sony? Avec grand plaisir, j'aimerais bien sûr participer. Respect, monsieur Cooper. Ils ont les tous que chemise. Bah ouais, je suis à la station service. Laquelle? Juste après la frontière. Ah, bah très bien, j'arrive. Parfait. Et Club Double. Et il arrive Cooper, hein. Ouais, tu vas voir. Tiens. Merci. Bref, écoute. Il y avait 3 pompes. Il y avait 1 Uzi. Il y avait 2 pompes, les gros, là. Les deux gros, le canon scié. Une bombe, un mousquet. 13 Glock. Une AK, je crois, ou 2 AK. 2 AK. 2 AK, ouais. Des balles, ouais, des Glock, des trucs, balles. Tout. Tu me dis que j'ai pas de rendez et que tu vas me fumer juste après, Creepy. $348,000. C'est la risque, hein, c'est vrai. Comment il va le larguer? Je prends le risque de mourir tout de suite, amis. Et de garder. Vous avez bien les jeux, Sony, t'es impressionné, hein, de... Vous avez bien de la cohésion. Nous avions. Impressionné, non. Je me disais, mec, l'un de vous deux tenait la bite à l'autre. En même temps, vous suivez le LSPD, donc c'est bien de votre plan de liaison qu'ils ont avec nous, mais vous faites pareil de l'autre côté. Comparé à mon frère, j'aime pas trop l'uniforme, Cooper. Pourquoi il avait un hélicoptère alors? Pourquoi? Mais oui, bien sûr. Mais quoi, je l'ai appelé par télépathie l'hélicoptère, c'est ça, il a localisé un bracelet, c'est ça, je suis connecté avec le LSPD. T'as peut-être une puce en moi. Ouais, hein, t'as peut-être une puce. C'est marrant, dès que votre père parle, maintenant j'entends mensonge. L'homme qui n'avait qu'une parole. Non, monsieur Cooper, je l'ai pas tué, je lui ai pas fait de mal, c'était pas moi. Le mec est mort. Je l'ai fumé, oui. Oui, je aucun honneur, aucune dignité. Ouais, je regarde les yeux dans les yeux quelqu'un, je dis, vous avez ma parole, je ne l'ai pas tué. C'est comme ça que vous faites des affaires, vous? Et après, ça vient se plaindre. Je ne peux pas aller dans le Nord. J'ai fait en sorte de le laisser entre la vie et la mort. Malheureusement, il a choisi la mort. Hein. Enfin, la mort l'a emporté, plutôt. Oui, bah, il était faible, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est qui? Vous parlez de qui? Un homme qui est mort dans le Nord. Je crois que c'était un homme de qui? Delwood. Ouais, Delwood. C'est ça que vous protégez. Ah. Oh, arrêtez de faire genre. Que je protège. Hein. On sait très bien ce qui se passe dans le Nord. Oui. Bah écoutez, je suis même son bras armé là. Là, il y a 4 unités là, de 12 personnes qui sont autour de lui là. Et on a déroulé un tapis rouge et j'ai 2 unités qui le sucent en même temps et qui lui mettent des doigts dans le cul, si vous voulez tout savoir. C'est complètement con, hein. Pas étonnant. Protéger un narcotrafiquant, hein. On me ramène du blé, c'est tout. Hein.
Et Creepy, c'est quoi ça? C'est pas un narcotrafiquant, c'est ça? C'est non, Creepy, c'est comme mon fils. Je l'aime de tout mon cœur. Bien drôle, Cooper. Merci. Mais c'est sincère? Moi, je suis un narcotrafiquant, un assassin. Sincère à combien de pourcents, Cooper? Comment? Je t'ai dit. Sincère à combien de pourcents? À 100%. Et vous n'avez jamais donné d'ordre à un groupe dans le sud de se renseigner sur Creepy? Oh, si, au tout début, si, bien sûr. Non, pas au tout début. Voilà, dernièrement, il y a une semaine. Ah non, non, non. C'est normal, hein, quand on aime, on cherche à s'enseigner. Ah non, mais même pas. Non, c'est normal, moi je comprends même. Monsieur. Ah, il essaie de jeter le discrédit sur notre relation, ouais, je pense. Ouais, là. Je vois très bien, là, oui. Bon, j'ai expliqué. C'est dit, non. Nous, on trafique, on tue, oui. Mais la différence, c'est qu'on suce. La BCSO, c'est normal. Les gardiens de la morale, s'il vous plaît. Les gardiens de la morale. Leur bitch. J'ai bien compris. Je prends les 10 bits qu'il y a ici. Et hop, je les. Tu vois. C'est pour ça qu'on aime bien les petits. Ouais, c'est ça, il doit vous tailler des bonnes pipes. Hein. Au niveau de la caserne, là, à la frontière, ça doit y aller. Vous savez, il n'y a même pas besoin, en plus, il en rajoute 3 caisses. Hein. Allô? Ouais. Ouais, c'est comment il y a eu des bruits de couloir comme quoi tu voulais m'enculer, toi? J'ai entendu. Et c'est pas que des bruits de couloir, hein, mon pote. Ah, mon gars, et toi, t'es cramé. Et toi, tu me dis que tu m'as pété 150 000. Ouais, mec, oui. Là, tu m'as pété 150 000. Et alors? Du coup, en mode, c'est pas moi qui l'ai fumé, mon gars. J'ai assisté. Et alors? C'est-à-dire que. J'étais bien content de le voir. Ce mec-là, il a causé le type, t'as tiré sur un gars à moi. Plus tu m'as pété 150 000. Encore heureux, je suis là à son exécution. C'est tout à ton honneur. T'as droit. T'as des couilles. Bravo. Mais. C'est quoi, j'ai encore rajouté un truc. Mais avoir des couilles, t'as vu, face à Norwatt. T'as vu, c'est pas bon. Et toi, tu vois, t'as pissé sur un de mes gars, toi? T'as non, pissé sur un de mes gars, toi? Non, c'est limite, je pisse dessus, t'as vu? Mais bref, attends, je vais t'expliquer un truc. J'entends encore une fois parler de toi, je vais t'enculer, c'est bon? Mais William, t'es sûr? Non, je rigole. Regarde déjà, regarde ton daron, regarde, il fait quoi, ton père? Regarde. C'est ça, mon père. Regarde. Tu as mes gars calibre en main, t'as capté? Ouais. Là, j'ai Sony, torse nu, hein? C'est pas mon père, mais je m'en bats les couilles. Ah ouais? Tranquille. Ah ouais? C'est pas mon père. Y'a rien. J'ai pas aimé le prix que j'ai entendu, tu m'en plus mettre. Mais en fait, Willem, je t'attrape. Bah après, moi, c'est un conseil pour toi. Je te conseille qu'on va pas en dire les pops et toi. Tu vois, c'est. Ça va te causer des problèmes, c'est tout. Willem, tu sais, les mots, des fois, tu vois là. On rigole, mais à un moment donné, je vais prendre tes mots au sérieux, moi. Est-ce que tu veux que c'est ça qui se passe? Est-ce que tu veux que je prenne la grosse tête à Troy, je te la cogne dans ta tête à toi, avec la tête de l'arabe, tout le monde, je vous cogne tous vos têtes, tu cherches quoi, toi? Moi, je pense, je vais te dire un truc, moi, je pense, premier du nom, t'as trop cru que t'étais le réfé ici. Et peut-être qu'il faudrait, il faudrait que tu redescendes un peu. Et peut-être, nous, les boss, on va te faire redescendre, capté ou pas? Tu crois pas qu'on est des petits, hein? Eh, on est tous calibrés, mon pote, arrête de croire qu'on est des petits. Vas-y. Ah, mais tranquille, je peux pas rentrer en guerre avec toi, par contre, tranquille, t'as vu. Ah, mais. Ça rendait stylé de dire comme ça, mais vas-y. Ouais, mais on est tous calibrés, t'as dit, on est tous calibrés. Ouais, mais non, mais juste ça rendait stylé de le dire comme ça, c'était pour le flow. Je peux pas rentrer en guerre avec toi, mais t'as capté, genre, tranquille, moi, y'a qui autour de toi, Vas-y, sors de la caméra, là. Attends, j'arrive pas. Après, vas-y, me fous, mais. Ils sont dit. Avec Double ou avec Creepy, je peux me permettre qu'ils me sucent. Tu vois, alors comment c'est différent? Moi, c'est de l'accord, les gars, c'est du business. C'est un point de vue. On est en accord avec les Wuzans. On a une façon de penser. On encule le Nord. Ouais, la même façon de penser voilà. Avec. Y a l'arabe. Au fond, des gars à moi. Okay. Voilà, tiens. Bref, les gars, c'est quoi derrière? C'est qui vous avez derrière là? Les douaniers. On est qui ça? Le mec là-bas derrière qui se fait braquer. C'est peut-être un gars à toi, je sais pas. Des gars à toi. Mais toi, le jour où t'as des gars à moi, toi, t'as vu, je vais à l'immeuble le plus grand de Los Santos, je vais au dernier étage et je saute. Je pense qu'on n'aura jamais des gars à toi. T'auras jamais de ta putain de vie, de ton existence. Jamais. Ah ouais? Bah bien sûr, t'es sérieux ou quoi? Jamais. C'est toi, t'es dans le Nord, toi, là, ou quoi? Moi, je suis dans le Nord, là. Vous pouvez, de toute façon, ça va vous... Ok. Vas-y, tranquille, game. Vas-y, c'est moi, y'a plus rien avec lui. N'oublie tout. Ouais, vas-y, t'inquiète, y'a plus rien, vas-y, t'inquiète. Vas-y, hein. Vas-y, mon gars. Vas-y. C'est léger. Je vais me prendre les tatouages, je crois. Vas-y. Le braquage qui a eu lieu hier.
les mecs du sud qui étaient de Wuzhang ou quoi, ils ont tous été relâchés alors que le seul nordiste qui était là et qui n'a pas d'accord avec le LSPD, qu'est-ce qu'il a pris ? Fédéral. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. En tout cas, bien moi, personnellement, Sony et les GSB, on ne t'offre pas avec les cops. Qui ça ? Dégagez-moi ça. C'est à vous, ça ? Bonjour. Salut. T'as dit quoi ? Bien. Okay. C'est qui ? Ça vient d'où, les gars ? Oh, les gars, d'ici, hein. Oh, il est peut-être cramé à l'intérieur. Mais c'est qui, ça ? Ah, ouais. Gros, c'est qui, quoi ? Tranquille. Ça dit quoi ? Bonsoir. Vous êtes qui ? Oh là. C'est un squall signe que t'as fait ? Eh bien, monsieur. Elle bourreau ? Non, ça va pas, quoi. Je suis de Saint-Michel, moi. Ah, ok, désolé. Bonjour, monsieur. Il faudra qu'on discute un jour, hein. Je passerai. Vas-y. Ça va dans les deux sens. Vous pensez que d'ici combien de temps je pourrais passer la frontière, monsieur Cooper ? Je sais pas, une heure. Une heure ? Oui. Vous êtes pas bien ici ? Ah non. En fait, c'est parce qu'il a tout ce qu'il a tout. Il a toutes mes armes, tout mon argent, Sony. Attends, on est mort. Bon. Il s'appelle New Clou, ouais. Rien de spécial, rien de spécial. Des petites broutilles. C'est Sony, hein, il mène un combat politique contre le Nord. Moi, je peux vous aider. Moi, en gros, j'allais l'échanger contre tout ce que j'ai, quoi, tous mes trucs. Ça vaut le coup ? Il y a 2 millions d'équipements. Il y a une AK, il y a deux gros pompes, un Uzi. Bref, il y a tout ce que j'ai, tout mon argent, tout la bombe que vous m'avez donnée, il y a tout. Il a la bombe ? Oui. Enculé. En fait, il est parti là où je stocke tout, il a réussi à tout prendre. Commence à avoir les tétons qui pointent. C'est pas facile pour eux. Et vous croyez vraiment qu'il va tout prendre ? Sa vie, bien sûr. Là, j'ai lutté pour l'avoir, hein. C'était très très dur, hein. C'est pour ça. Là, je vais l'échanger lui contre tout. Il faudrait remonter le pantalon, ouais. Ouais, mais il va recommencer son délire le lendemain. Ah oui, ça c'est sûr, ça. Mais bon, le fumé c'est encore pire, hein. Tous ces gars, tout son quartier, ils vont tous prendre une arme et venir à la frontière, ils vont fumer le premier agent qu'ils vont voir. Mais ils vont tous se faire fumer. Ouais, pas être sûr. Je crois pas. J'ai des bizarres et des F-16, qu'est-ce qu'ils vont faire des petits mecs de quartier ? Oui, mais vous savez, un homme qui n'a plus rien à perdre est plus dangereux que... Vous avez compris, quoi, un homme qui a rien à perdre. Mais tous les gars que vous voyez ici, ils ont rien à perdre. Ce serait l'occasion de constater. Oui, mais c'est pas le même niveau, c'est... En plus, bon... Vous avez jamais vu Google aller m'énerver, je pense. Allez, fais pas ta bijouerie, fais pas le TV. C'est un juif, dès qu'il voit quelqu'un un peu qui n'est pas juif, vous savez déjà, ça, il a plus rien à perdre. Je doute pas, mais... bon... Moi je pense que non, c'est une mauvaise. Pourquoi vous voulez faire quoi vous ? On dirait que pas touché. Moi j'aurais fait un exemple. Ça. Avec lui ? Mmh. Ah non, c'est une mauvaise idée ça. C'est ma bite. Chez les fous quoi. Oui, Godin. Et voilà, c'est bon. Hein. Oui, toute cette urine, c'est toute la quantité que je devais sur la morale LBCSO, je vous pisse dessus. Je sais pas, c'est votre problème. Regardez l'exemple. Pour moi, l'exemple de FR, c'est. Toi à gauche, le c'est King. Ouais, c'est. Mais un gars, lui. On va commencer directement par la tête. Non, Larden, parce que je pars du principe que quand on met un avertissement en envoyant des mecs de service secret qui vont les canarder en pleine rue, brûler leur quartier, qu'on leur dit, et que le lendemain ils continuent leur connerie et qu'ils continuent à nous emmener des gens et qu'ils continuent à faire les cons en mettant des douanes, c'est qu'ils ont vraiment pas peur de nous. Hein. Excusez-moi, hein. Je prends ça comme un défi. Hein. Ouais, parce que dans le sud, ils ont un soutien du service secret. Ils ont. Comprenez, donc. Il y aurait pas le service secret, le LSPD, tout ça. Ils seraient pas là. Ils seraient pas en train de tenir tête. Oui, mais dans tous les cas, tuer les têtes, vous allez juste créer la troisième guerre mondiale et ça va être la merde. Vous pensez ? Oui. Non, faut faire petit à petit. Et puis voilà, quoi. Mais là, non, Sony, en plus, il a tout ce que j'ai. En plus, avec mon père, c'est quand même. Voilà quoi. Non, il y a trop de trucs en jeu là. On parle de mec là, le King. Je vous parle du King. Si vous me dites de buter quelqu'un, pour faire un exemple. Ça fait combien de temps qu'il est implanté à Los Santos, King ? Ah bah non, ça c'est ce qu'ils disent. Je sais pas. Des années ? Ce qu'ils disent, sûrement.
C'est des petites bites. Non, moi je doute pas, mais pas où tu es actuellement, là dans tous les cas Sony a tout ce que j'ai, donc bon, bah, je veux pas, là. Vous voulez retourner dans le sud pour récupérer ce que vous avez, très bien, j'ai... faire un échange. Il y a du monde côté l'Espidi à la frontière là. J'ai pas dit qu'il a tort les gars, j'ai dit que là toi tout le cas il va pas tuer. Bah, c'est quoi comme dispositif? Il y a une patrouille du Lespidi actuellement à la frontière, mais bon, ça veut dire qu'il y en a une autre derrière. Putain, comment faire, frère? Vous êtes combien, là? C'est, mais bon, je pense qu'on va faire l'échange dans le nord, hein, du coup. Tu devrais te faire à la sagesse. Ah, avec lui. Bah, sinon, attendez, attendez. La retraite, les gars. Non, Sinon, je vous fais déposer dans le sud, hein. Pas de problème. Je pense que ça nous aiderait, ouais, bien. Il y a vraiment tout en jeu là, il y a vraiment plus de 2 millions en jeu et j'ai peur qu'il fasse les cons. Si je lui dis viens dans le nord avec tout le matériel, ils vont nous dire ouais, ils se sont fait attraper. Sur les 2 millions, je veux 200 000 si je vous peux déposer dans le sud. Non, mais c'est 2 millions de matériel, monsieur Cooper, et depuis des années. Bah, sur les prochains contrats, vous me devez 200 000 dollars. Non, c'est trop. Oui, mais là, je vous aide avec. Je vous ramène Allison, tiens. Voilà. Allison, ça vaut rien, ramenez-moi Eden. Exactement, faut pas se faire apparence. Oui. J'ai déjà vu tuer un homme à Manu. Ok, je vais essayer. Allez, va lui avoir. Balance, elle, non, j'ai entendu dire. Elle bosse avec un mec de l'hôpital qui s'appelle Pasquier. C'est avec. Vas-y, super crucial, vas-y. Je vous ramène Eden et en échange de vous ramener dans le sud. Allez, très bien, on va faire ça. Marché conclu. C'est comment je suis devenu. Google Aim, vous pouvez aller me chercher un hélicoptère, on va aller. On arrive. Allez à l'amphithéâtre, préparez-nous une voiture. Posez une voiture à l'amphithéâtre et partez. Dans le grand parking de l'amphithéâtre. Sont en uniforme. De deux, le point le plus important, avec des personnes qui collaborent avec mon pire ennemi qui est à ma putain de droite. Non, je ne vais pas le faire. Mais je travaille avec plein d'ennemis de l'Ardenne. Hein. Oui, mais on a rien à foutre, c'est des affaires. Non, mais ah bon, moi aussi. Avec qui? Ah, c'est le business, on va pas tout dire. Mais non, moi, Cooper, vous allez bosser avec exactement, vous. Ça c'est la réponse. Non, je pense que Cooper, moi, je bossais avec vous parce que vous bossez pas avec. Hein. Moi, je bossais avec les people, j'ai arrêté parce qu'il bossait avec Sony. Lou Zhang, pareil. Mais c'est lui qui fait comment? C'est quoi les chiffres qu'ils font là avec la Roma? C'est bizarre. Nous, dans le sud, tant qu'on pourra pas décider de avec qui on veut taffer dans le nord, tranquillement, et que même si on a des embrouilles avec vous, le BCSO. On puisse aller travailler avec vous savez là où vous êtes le plus hypocrite en plus, hein, ouais. C'est que vous dites que vous voulez pas bosser, que vous voulez pas la cam, etc. On en a rien à foutre, mais vous tapez la cam pour la vendre. Logique. Pourquoi? Alors si vous en aviez si tant rien à foutre et que vous pouviez vous en passer, vous la taperiez pour la brûler. Vous saviez, ouais. il avait que 200 000 dollars, le pauvre. Pourquoi, pourquoi brûler de l'argent? C'est ah, bah oui, mais parce que vous n'êtes pas cohérent dans vos actes, vous essayez de faire des actes politiques, mais au final, tout ce que vous voulez, c'est pouvoir faire vos business sans que personne vous mette des bâtons dans les roues, sans que personne vous dise rien. Il n'y a aucun acte politique. Mais bien sûr que s'il y a un acte politique dans ce que vous faites, quand vous tapez toutes les cargaisons du Nord, c'est un acte politique. Vous savez très très bien, Cooper. Moi, ce qui me dérange, c'est le business, c'est la cam. Moi, je veux que la cam qui arrive dans le Sud, hein, on ait de l'impact dessus. On ait nos yeux dessus. J'ai demandé 5 subs chacun, tout comme un prime. La cam qui vient dans le Nord, ou les producteurs qui s'installent dans quelle le Nord. Quelle vie, sinon quelle vie. Contrôlés par vous. Aussi simple que ça, on va je pas accepter. Je m'en bats les couilles là de vos histoires politiques, je veux mes armes, moi. Vas-y, viens, on y va. Monsieur Cooper, vous l'attrapez un jour vous-même. On se reverra, Cooper. On se reverra. Oui, on se reverra, oui. Mais... ça chauffe, hein. Ça chauffe en bas, Cooper. Moi, je vous fais juste un conseil, Sony, le dernier. Hein. Si vous voyez des gens qui se chauffent encore à taper des convois civils ou n'importe qui sans discrimination, tout le monde y passe, c'est le dernier avertissement. La prochaine fois, ça débarque dans le quartier avec mon armée. Mais il n'y a aucun convoi civil qui est tapé. Bien sûr que si. En tout cas, moi, mes équipes de votre alliance, si. Voilà. Oui, peut-être. Je ne suis pas le porte-parole de l'alliance. Mais vous portez ce brassard, cet étendard. Assumez-le. Allez, vous hypocrite. Vous faites des actions politiques, ne revendiquez pas la politique, vous avez pas honte? Oui, et je le baise, le BCS, en fait ça vous énerve, le BCSO, le BCSO. Pas bien du BCSO, oh là là, le BCSO. Bien sûr, pas bien du BCSO là, pas bien du BCSO. Du moral, rien à foutre de la morale, il reste pas votre morale, j'en reconnais pas votre morale. Vive le BCSO. J'en reconnais pas ta morale toi, j'en reconnais pas ta morale, c'est le BCSO. Désolé messieurs, hein, il est un peu fou. Hein. Ouais, l'écoutez pas. Ouais, y'a pas de problème, on a l'habitude des personnages comme lui. Enculé. C'est
quoi ça? Eh, doucement, doucement. Pousse-toi, pousse-toi. Ah, ah, ah. Ok, c'est parti. Ouais, c'est bon, allez. C'est bon, les jeunes, vous êtes accrochés. Accrochés, on est accroché. C'est bon, la voiture, elle est prête? Eh, ouais. Tu vois Sony ou pas? Ce genre de bras long. T'as ça, toi, Sony ou pas? Il doit vous gaver de sperme, les gars. Non, c'est une dinguerie. Oh, regardez, je crois que tu fais pas. Okay. Non, je vais pas. Ça va aller, bonhomme. Ouais, ouais, ça va, j'ai fait une roulade avant. Attends, bouge pas, pas. Hop, je te remets un peu là. Voilà, là, c'est bien. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est des choses qui arrivent, hein. Mais quelle idée aussi, hein. Je t'ai dit, tu viens d'accrocher, tu me réponds oui. Ton micro, c'est pas possible. Bah frère, j'ai des miari, il me répond pas, mon frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, moi. Creepy, où est-ce que vous voulez que je vous largue avec le colis, hein? À l'amphithéâtre, s'il vous plaît. Ouais, observatoire, observatoire, observatoire. Observatoire, observatoire. Je suis sûr. Observatoire, s'il vous plaît. Moi, j'y pèse, là, je vous mets. Merci. Je vois aussi, il n'y a pas de souci. Okay. On n'a pas tout le monde. Non, faites un peu vite. Hein. Mais quand je repars, Sony. Ça va. Ouais. Il est au Cooper, je veux m'arranger avec lui. Moi aussi, je veux ça. Si tu veux un hélicoptère. Je veux cette vie-là, moi. Et tu sais, on préfère toujours la carrosse au bâton, ouais. Les gars, gardez les straps en main, la tête de ma grand-mère, à ton moment, ils me fument, les gars, ces fils de pute là, aucune confiance en eux, la tête de ma mère, les gars. Vas-y, baisse ton signe là. Voilà, va sur le poste de Mano Guevara, like le truc. Dans le commentaire. Voilà qui là, tu vas rimer, Coco, tu vas rimer, Coco. Vas-y, vas-y. C'est qui lui? C'est qui le mannequin là? C'est qui lui? C'est la machine, Drew. Ah, c'est bon, c'est Drew. C'est Drew Pierce. Andrew Pierce, Mike. Montre-moi tes papiers. Garde-moi, s'il te plaît. Bref, vas-y, envoie-moi, mais. C'est comment c'est qui prend là? Qui a moins de ranger mon calibre? Ah ouais. Donne-moi tout là. Vas-y, viens, double. Ah, c'est que deux qui prennent, les gars. Bah, y a des si c'est en galère, on prend. Ah, y a beaucoup il de manque trucs, 5000, hein. M'en bat les couilles, il manque 5000. Hein, vous voulez passer combien, les gars? Vous voulez passer combien? 110. Ah ouais. C'est tellement à terre, les gars. Ah, vas-y, on va. Vas-y. Attends. Et les billets, Creepy, avant de dire qu'il manque 5000, tu peux compter ou quoi? C'est bon, tenez. De votre côté, quoi, Creepy? Je compte pas, je vous fais confiance, vas-y, on voit. Tiens, je te mets tout au sol, nique sa grand-mère. Mmh. Attends. Eh, niquez vos mères, vous. Reculez là. Ok. Prenez, avancez. Ouais, les gars, ouais. Y'a quoi, les gars? Oui. Reculez un petit peu, les gars. Sortez du terrain de basket, les gars. Non, juste un tout petit peu, regarde un peu. Comment c'est vous qui vendez là, ça, là? Attends. Sortez de là, là. Non, elle est pétard. Ah, bougez d'ici, là. Les gars, prenez. C'est comment? Y'a encore des trucs ou quoi? Y'a rien. Vas-y, arrête de casser les couilles. Ils ont voulu nous couiller, les gars, pour de vrai. Hein. Est-ce que ça m'étonne? J'ai 10 Glock là. C'est carré? C'est carré ou pas double ça? Pour les Glock, ouais. Pour les Glock, côté. Moi, j'ai un Ludi, 9 rois, 2, 9. Les accueils, c'est bon, les gars, vous devez donner. Les gars, moi, j'ai rien, perso. Elles sont les targets. C'est bon, là, ils les donnent. Les pompes sont? Les deux pompes, les trois même. Les trois pompes, c'est bon. Mousquet, c'est bon. Les AK? Tiens. J'en ai eu qu'une. Et le Uzi, il est où? Le Uzi, c'est Aston, tu l'as, je crois. Aston, tu l'as, l'Uzi? C'est bon, je peux y aller. Non, attends. Attends. Il manque un Uzi, les gars. Non, j'ai un Uzi, moi. Attendez, les gars, cousin. Le mousquet et la bombe. C'est donné. J'étais tout mis au sol. Moi, j'ai mousquet et les deux autres pompes. J'ai bombe, fusil, il manque quoi, les gars? 5 boîtes de. La K, on a combien? On a tout?
je pense vérifier le nombre de Glock et Beretta, mais normalement c'est bon. Glock, il en a 10. Qui a des Beretta déjà? Les Beretta, ils sont où les Beretta? Qui a les Beretta? Les double KP, vous avez du tout récup, vous, cousin. Ouais, les gars, qu'a les Beretta, les gars? Je peux pas, frérot. Les gars, qu'a les Beretta, les gars? J'ai tout vu avec Double, t'as vu, les gars? C'est, Aston, t'as des Beretta? Non, je n'ai pas. C'est Vesh, t'as des Beretta? Non, j'ai pas de Beretta. Ok, il manque des Beretta, il manque des Beretta. Putain, quoi, sur toi? Il a 10 Glock, il a 10 Glock. Il manque des Beretta, voilà. Moi, j'ai rien. Les Beretta, là, les gars. Les Beretta, gars, Vic, déjà, il a mon calibre, déjà, Vic. Il manque quoi comme Beretta? Il doit manquer 5, c'est ça, non? Combien? C'est toi qui a la liste de Bull, combien? Oui, bah je l'ai dit, c'est 10 et 5, 10 Glock, 5 Beretta. 5 Beretta, j'ai compté 5 Beretta. Attendez, qui a 5 Beretta là? Personne. Moi j'ai 1 Beretta, c'est tout. J'ai donné 1 Beretta, y'a pas de 5 Beretta. Voilà, donc il en manque 4. Y'en a pas, les gars. Y'a plus rien. Bon, frère. Les gars, mais attendez, dedans vous avez nos 4 calibres. Tu veux t'enlever nos 4 calibres ou pas? Regarde. Vite fait, les gars, creepy, regarde. Ah, mais y'en a, ils ont leur calibre sur eux. Ils les ont sur eux, gros. C'est juste ça, ils les ont sur eux. Donc, les gars, regarde, Vic, il y en avait un. Zoran, il y en avait un. Vous avez pas attrapé 3 Beretta, les gars? Vous avez pas. Et rangez-les et donnez-les-moi, s'il vous plaît, les gars. Là, Hammer, t'en a donné un Beretta, c'est ça? Ouais, il manque 4. Là, il en manque 4, voilà. Là, lâchez 4 Beretta. Il y a pas les 4 Beretta, je comprends pas quoi. Et gros, vous en avez sur vous. Regarde Vic, c'est ça, regarde c'est Zora. C'est pas parce qu'ils sont truc, c'est vous. C'est pas parce que vous les avez sur vous que c'est pour vous, les gars. Mais les gars, les Beretta qu'on a chopé, on les a repris, c'est tout. Mais voilà. Ah, okay. Oh là là, mais les 4 Beretta, c'est les 4 Beretta que. Non, Sony. On a retiré dans les Glock, on a retiré dans les Beretta. Il y a même beaucoup moins. Même les Glock, il y a pas tout. Glock, on dirait, il y en a 4 en moins. Vic, viens vers moi. Non, en gros, il manque 3 Beretta. Vous m'en donnez qu'un, il en manque 3. J'irai même 4 de Beretta. Vas-y, 3. Et de me dire avec eux, j'irai avec ta meuf, cousin. 3. Les gars, par pitié, faites vite. Je t'ai donné tout ce qu'il fallait, Double Tay. Toute la liste que tu m'as donné, je t'ai ramené. T'as vu, 5 Beretta, c'est pas compliqué à comprendre. Mais t'as eu trop de balles, je parle à Double. Je suis en train de voir, ouais, mais la liste, t'es mal à la liste. Il y en a, regarde combien il y en a. Compte-les. Et compte les Glock aussi, et le calcul il est vite fait. C'est les Beretta. Les gars, j'ai 10 Glock, vous voyez pas sur l'écran, j'en ai 10. Ah, j'ai mis 2 Beretta, 2 Glock dans l'eau. Et là, tu m'as donné qu'un Beretta. Tu m'en as donné qu'un. Y'a aucun de mes Glock. Frère, dans la liste, y'en a qu'un. On a les 2 AK. Ok, d'accord, mais là je m'en ai donné qu'un. Là, je veux bien au moins un autre. Parce que même là tu m'en as donné qu'un Beretta, y'a aucun méga qui a d'autres Beretta. Et les Glock, t'es moi dans la liste. Beretta, les gars, derrière, là. La cam, oui, c'est pour ça. Tout ça, Vic, donne ton Beretta, Vic. Donne ton Beretta. Crois-moi, gros. Range-le. Range-le avant. Nique ta mère là. Et les Glock dans la liste, y'en a 12. Même celui-là, même celui-là, c'est en les faisant 2, ça veut dire que tu nous as donné 10 Glock. Ok, bah c'est bon. Voilà, c'est bon. Non, les Glock. Les boîtes, c'est bon, les boîtes. Vous avez combien de boîtes? Ramasse de balles. J'ai 8 d'ACP. Moi j'ai 39 mm. 8 ACP. Moi j'ai 9 mm, 5, 7, 62. Vas-y, c'est bon, vas-y, bah les couilles, vas-y, c'est bon. Vas-y, les boîtes, c'est bon. Vas-y, les gars, ce fut un plaisir de faire. Allez, niquez vos grand-mères. Ah, vous aimez bien. Vas-y, go, Bahamas, les gars, tous. Sors et chante, les gars. Il est de belle. Venez tous. Ma mère, grosse cartouche dans le grand. Venez tous ici, venez. Heureusement, je dis tous, la fils de pute de Double. Vas-y, venez. Les gars, en fait, après, ça a tiré, ils ont perdu, bref. Chez moi, il y a le reste, l'argent et tout. Tu veux pas qu'on va chez moi? Non, on n'a pas tous les clés de chez toi. Eh, vas-y, prenez, un mec qui prend tout là, jetez ce qu'il y a dedans là. Débarrassez ce qu'il y a dedans là. Moi je suis rempli. Les téléphones, les trucs de merde là, quelqu'un qui a un peu de place. Et regardez le calibre à juice, il était déjà là, c'est-à-dire qu'il le comptait pas dans le truc. Oui. Non, mais c'est bon, moi j'ai déjà 10 Glock, c'est sûr, c'est bon les Glock. Ouais, mais c'est les Beretta qui nous ont couillé. Tu composes les armes, ce qu'on a ici, là? Attendez, videz d'abord la merde qu'il y a dedans. Je le fais. Oui, vas-y. Par contre, regarde, il y a des vies. Il y a de la graille, hein, ici. Le casque jeté, le bracelet, boucle d'oreille. C'est bon, j'ai. La chaîne bat les couilles. La chaîne, elle marche plus? Ouais, jette-la, vas-y, jette-la. La chaîne, faut juste la nettoyer. Vas-y, bat les couilles, jette-la à sa grand-mère. Vas-y, non, bah donne, je la garde. Vas-y. Bref, vas-y, je pose les. Vas-y, posez. Ok. T'as la chaîne, Savage? Non. Bah, il est plus gros.
Voilà. C'est bon. Information. Moi j'ai posé mousquet de Molotov. Si, si, mon gars il en avait une. C'était Salva. Faut ramener les trucs de ton rapport. Ils sont pas attrapés, non, okay, non, non. Je... Attends, vite fait, je te rappelle, Vas-y. Okay. Et la deuxième AK, elle est où, Double, fils de pute, elle est où? C'est Savage qui l'a, cousin. Mais pose-la. C'est quoi, moi? Tu as dit que t'avais l'AK. C'est qui? La vie de ma mère, j'ai pas. J'ai pas tout à l'heure, j'ai posé la question 4 fois. Non. Tu m'as demandé si j'ai une Uzi, j'ai dit oui. Wepo, tu l'as entendu ou pas? Wepo, dis la vie de ma mère, t'as dit que t'avais l'AK, ça veut dire. C'est bon, allez, abusez pas, les gars. Oui, bon, vas-y. J'ai dit, j'ai l'Uzi, cousin. J'ai l'Uzi, je viens de le poser. Pourquoi tu veux que je parle d'AK? Oh lolo. Ma mère. Rien de. Et bah après, rappelez, on va les appeler, on va les. C'est doux, frère. Les gars, le deuxième pompe, il est où? Ah non, c'est bon. Attends, c'est ça, je crois. Apparemment, il manque une AK. Bah ouais, cousin, mais putain. Moi, c'est Double, j'ai un message à Double. Évidemment, il m'a dit c'est bon. Voilà, j'ai les deux, tac, il m'a dit oui. Il est où le deuxième pompe? Ah, ok. Le petit pompe il est là, les deux pompes sont là, le mousquet est là, la carte est là. On met tous les trucs, c'est fait, c'est bon, de chez toi? J'ai mis, j'avais qu'un usine, 9 boîtes et 5 boîtes. Non mais toi, est-ce que t'as chez toi les armes de vue que t'as chez toi? Ouais mais là c'était pas pour compter là. Elles sont toutes les autres armes, elles sont où? Elles sont où? Chez Savage. Bah ramenez, on met pas chez un mec les gars qui a que ses clés. On ramène, on met tous ses... Y'a Gwepo qui a. Mais c'est bon, il est là Savage. Le C4 il est là. Elle casse les couilles cousin. Je marchais sous Glock. Bref, on met tout ici, on s'en bat les couilles, non? Bah pour l'instant, on s'en bat les couilles. Mais bon, après, s'il y a les keufs, en fait, faut reprendre un local. Bah bat les couilles, on met tout ici. Vas-y. Vas-y. Casse les couilles, cousin. Casse les couilles de... Et Beretta, sûr, on en a récupéré combien? On en avait combien à la base? À la base, d'après Double 5. Ce fils de pute d'Hammer, il est arrivé, il en a posé un. Et en gros, il disait, bah non, c'est ça. Mais en fait, je crois qu'ils sont vraiment à terre. Là, oui, s'ils donnaient plus de Beretta... Pour moi, ils avaient plus. C'est-à-dire, le Beretta qu'ils ont donné, c'est le Beretta... C'est un soldat en moins armé. Bah oui, parce que là, tu vois, Strap, tu vois le Beretta, là. Ouais. Là, j'ai ramené un Glock à Toko, le Glock à Melo, le Beretta. Dis juste l'armée, voilà. Ouais. Beretta, il va poser, il va poser. Et deux boîtes de neuf. Mais tu vois le Beretta où il y a écrit Strap dessus, là. Bah, t'as vu, dis-toi, moi je l'ai écrit. Hier, on a pété Vic, il y avait écrit Melo sur le Strap, et il y a écrit Beretta, là, le Glock où il y a écrit Beretta, c'est moi aussi, je l'ai écrit. Les fils, ils sont à terre, ils ont plus rien, je crois. Et là, une couillée, 3 attends, armes. Là, je dépose l'argent maintenant. Allez, il y a même quelqu'un qui regarde la rediff, vérifie si c'est Savage, il a dit j'ai une AK. Et il faut pas oublier qu'il y a deux Beretta qu'on a loué ou ouvert. Et on doit 80K au Redneck. C'est bon, vous avez entendu le truc découvert ou pas? Ouais. J'ai un mec qui vérifie, j'ai pas demandé de... Je sais pas où. Bref. Allez, le téléphone là, les Nokia, ils servent à quoi?
Ouais, creepy. Ouais. Là, je vais dire quoi? Tu peux m'arranger sur une heure? Ouais, mais c'est cher, hein. C'est combien, genre? Le moins cher. Ah, allô? J'en ai tout? Là, c'est bon, j'ai tout récupéré, c'est bon. Sans pépin? Non, c'est bon, c'est bon. Frère, c'est quoi? C'est un grain de riz qu'il a dans le cerveau? Pourquoi? Il est con comme un balai, hein. Quoi, sur le conflit nord-sud, là? Oui, il comprend rien, en fait. Ouais, non, mais c'est qu'en gros, il sera contre vous à vie, hein, c'est comme ça, hein. Vous allez pas avoir tout le sud dans la poche, hein. Ah non, non, mais c'est pas le but d'avoir tout le sud dans la poche, je m'en fous qu'il me nique, mais le problème, c'est de votre frère, il ne donne jamais rien. Il veut tout, mais il ne rend jamais. Et ça marche en pas fait, comme ça, hein. Il a rien. C'est... Je vous jure, il a non, rien. Mais il a rien. Écoutez-moi. Lui, il a rien. Je vous ai dit, tout son argent, c'était 200 000, je fais ça en une soirée, lui. L'Ardenne, c'est pas une question d'argent. Non, d'accord, mais même L'Ardenne, question de contact, il a rien. Celui qui a tout dans le sud, qui a des contacts, je pense que c'est King. Lui, il a rien. Mais peu importe, écoutez ce que j'ai à vous dire. Si demain, n'importe qui dans le sud baisse quelqu'un une fois, deux fois, trois fois et qu'il se fait choper, peu importe qui, il va devoir faire quelque chose pour eux, sinon il va pas s'en tirer comme ça. Vous comprenez? Ah oui, oui, nous, oui. Il accepte pas de faire quelque chose pour nous alors que deux, trois fois, il nous a baisé la gueule. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre frère? C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part oui. Le buter? Bah, rien faire à part le buter, il ne me rend jamais rien. Qu'est-ce mais que vous voulez que j'en fasse? Moi, c'était tout. Mais monsieur Cooper, tuez-le, moi, c'est un grand plaisir. Hein. Moi, c'est juste tout à l'heure, fallait pas le tuer parce que je l'avais pour mes armes. Là, faites-en ce que vous voulez. Vous voulez que je vous le ramène, vous le tuez? Peut-être pas ce soir, mais je pense qu'on va organiser. On va faire tomber une tête. S'ils refont quelque chose, dans tous les cas, moi, je lui ai dit qu'il refait quelque chose contre moi, c'est la guerre totale. Donc maintenant, s'ils font, ils bloquent quelque chose ou quoi, vous me dites, moi je vous le ramène. Moi. On va choisir une tête à faire tomber dans les prochains jours avec les gros chiennes. Faut que le message passe, s'ils veulent jamais rien donner mais tout nous prendre, ça peut pas marcher. Ça ne marche pas. On n'est pas leur pute. Parfait. Allez, bonsoir Larden, je vais vous coucher. Voilà. Oui, allô? Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? C'est un film de cul ce qui vient de se passer, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? On s'est fait envahir par des hélicoptères d'attaque, on les a couchés, j'ai eu le patron de l'USS et le capitaine de l'Espidi dans mon bunker. Ah, en otage? Absolument, oui, on a couché un homme de l'Espidi. Mais on arrive, on vient. Mais comment on passe la frontière, c'est ça le problème? Quoi, vous voulez venir? Regardez. Vous voulez juste regarder? Bah venez si vous voulez. Par contre, faudra qu'on vous mette un truc sur la tête, je peux pas vous dire où c'est. Je me dirige où? À l'amphithéâtre, vous me récupérez? Comment? Vous allez à la frontière et quelqu'un va vous aider de vous amener. Parfait. T'as tout le bien, sinon on va le tuer. Ouais. Ouh là là, je sors le bigot. Je vais passer à droite. Hein. Vive le sud! Vive le sud! Vive le sud! Come on. Voilà, dites-leur, vive le sud. Vive le sud. Ah, si, regardez, croyez-moi qu'ils prennent des positions depuis tout à l'heure. Arrêtez, vous voulez... Position stupide. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Avance. Oulala. Avance. Sortez tous les deux, sortez. Les mains en l'air. Les mains en l'air, vite. Y'a mes amis aussi qui arrivent. Toi aussi, les mains... Bouge. Oui. Putain de main sur le capot, vite. Si, patron. Viens là, tu es, avec ta tête d'hérisson, hein. Je te déteste, de toute façon. Eh, bouge pas. Bouge pas. Allez, monsieur les agents. Ferme ta gueule. L'SPG. Ferme ta gueule. S'il vous plaît, l'SPG. Je vais te détruire et retuer à coups de pompe, ça crache bizarre. Nous, monsieur l'agent, on n'a rien à voir avec ça. Il se passe quoi? Arrête de bouger! Arrête de bouger ou je te canne! Les avoir à dos, ça doit être chiant, sa grand-mère. Hein. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Allez. Ne lui faites pas de mal. En voiture. Allez, montez-moi ça. Allez, je te tire, avance tout droit. Mais j'en ai vu le match. Bouge pas, je t'en bouge. Allez que. Ah, pardon, excuse-moi. Bah, les coups, j'ai masqué, vous me dites.
Voilà, putain de merde. Ok. C'est bien. Allez, vas-y, monte. C'est un peu humide, hein, mais... Non, viens là, viens, viens. Oh, on est encore loin, là. On est encore loin, t'inquiète. Vas-y, monte. Attendez, monde. Attendez. Ah oui, mais ça... Vous avez pas une tenue comme vous, pour pas être cramé? Attends. Un truc bien... Regardez, je me suis fait un nouveau tatouage. Regardez en haut à gauche. Tiens. Mais ça. Ah oui. Ouais. Mais, hein, tu verras. Ça représente un voilà. peu le Nord, non? Parfait. Ouais, bon, allez, voici ce tatouage. Attendez. Vous avez entendu, Radio? Ouais, ah, on entendait. Et ils ont désaillé tout le monde encore. Ouais. C'est passé quoi? Ils ont encore fumé tout le monde. À la frontière, il reste qu'un agent. Oui, oui, il reste plus qu'un agent LSPD à la frontière. On dirait une dégaine de troll. C'est ça. Je vais niquer la scène, je crois. Je vais aller, je. Mais c'est quoi ici, frère? Pourquoi on n'aurait pas le droit de s'amuser? Si t'as les oreilles qui se bouchent, c'est creepy, c'est normal, c'est qu'on descend. Au pire, c'est désagréable. Mais j'avale ma salive pour que ça part. Oui, c'est ça. Ou un chewing-gum, ou... Comme dans la viande. Ou une bite. Oui, 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 c'est ça. Allez. Terminus. Si. Vous avez pas un pull, quelque chose? Si, noir, ouais. Attends, j'ai des vêtements, attends, tiens. Tu as pas aimé, mais... Et Jack et Sancho, voulaient retourner là-bas? On va faire un tour, voir, et après on y va. Ah ben... Ah bah, y'a pas de pull. Ah, je vais garder ça, c'est attends, vrai. tiens cette tenue, prends. C'est laquelle? C'est tenue. Ouah, wow, parfait, ok. On arrive. Mais là, du coup, vous allez en faire quoi là? Vous avez. Mais vous avez. Ouais. Là, vous avez. On prendrait pas des motos là? Parce qu'on va galérer à pied. Ah oui, on pourquoi peut... ils sont tout au fond? Je sais pas. Je crois qu'il y a des motos là. Mais wesh, c'est quoi ce mapping de bâtard? Là, du coup, pourquoi vous récupérez pas le sud? Mais grave coup. Mais on va voir hein, ce qui se passe. Hein. Parce que le sud ne nous intéresse pas vraiment. Ouais, nous aussi, on n'aime pas trop. Ah, okay. Là, nos agents secrets. Bonjour. Ah, j'ai... Et du coup, ce sont les ministres qui ont été blessés par l'hélicoptère de combat, c'est correct? Oui, le ministre de l'économie, oui. Très bien, bah écoutez, bon, bah, vas-y, McLean, si à vous de parler. Bon, je ne vois pas c'est qui lesquels, là. Bon, c'est bon. C'est moi, ma collègue. Des très bien. Bonsoir monsieur. Autrement dans un premier temps, nous sommes désolés que cette attaque du coup vous a touché. C'était en aucun cas le but de toucher des civils ou autres, même des agents de la morale. C'était juste pour vraiment mettre de la pression sur le Nord et en aucun cas blesser qui que ce soit. Parce que, qu'on soit clair, nous, ce qui est certain, Copperfield, c'est qu'on vous hait fermement et je pense que c'est tout à fait réciproque pour vous. Et nous, on... Ça a pris du temps, mais on s'est enfin mis à commettre des actions. Et c'était à la seule condition de ne mettre en danger en aucun cas les civils. Et c'est la seule clause, en fait, pour laquelle on était d'accord de commettre des actions dans le Nord. Préserver les vies civiles et ne mettre en danger aucune personne, hormis du coup la milice. Ces personnes sont des civils. Hein. Effectivement. Et du coup, c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer que c'était certainement pas voulu, cette histoire d'hélicoptère de combat. Moi, j'entends qu'il est voulu mettre la pression et faire un peu le kick, excusez-moi, McLean, avec des mitrailleuses, mais je pense pas qu'il ait voulu blesser qui que ce soit. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment lui. Et derrière, vous avez envahi nos frontières. 4 personnes. Et du coup, ensuite de ça, on a effectivement envahi vos frontières après que 3 agents du LSPD aient été blessés par des snipers. Oui, c'était notre vengeance. Nous, on avait rebroussé chemin. Il y avait juste le sniper, il couchait 3 personnes et il se cassait au nombre de personnes qui ont reçu des balles. Très bien. Mais derrière, vous avez envahi pour encore en remettre une couche. Je vous écoute, monsieur. En fait, à la base, vous voulez mettre un coup de pression. C'est la base de tout, mais un coup de pression, pourquoi? Tu
parce que... Surtout un coup de pression de cette manière-là, vraiment. Si vous manquez de respect, etc., vous faites pareil. Hein. Non, mais ça reste la question, en fait. Alors, attendez, je pense qu'il y a quoi que ce soit répréhensible dans le Sud, c'est pour une bonne raison. On va pas attaquer pour le plaisir d'attaquer. D'accord. Oui, oui. À quel moment on a tiré avec des viseurs sur des civils ou sur des gens dans le Sud, nous ? On ne parle pas spécialement de tirer avec un hélicoptère. Oh, si, c'est arrivé souvent. Oui, c'est sur des gens ? Ah non, jamais. Pas avec un hélicoptère, mais peut-être avec... Dans le Sud, avec un hélico ? Ouais, c'est arrivé, je te garantis que c'est arrivé. Oui. Avec un hélico. C'est vraiment arrivé, oui. Mais quand ? Au call center, par exemple. Non, mais c'est chez nous. Vous avez vu qu'il PMB ? Tu marques un point, oui. C'est pour ça que vous êtes... Nous, que vous mettiez une pression pour une raison, on veut bien, mais là, il n'y a pas de raison, il n'y a rien. Là, en plus, c'est vous qui êtes en position de force ces derniers temps, vous m'avez piqué. J'ai tout raison de vous taper, moi, hein. Vous m'avez piqué mon BCRD. C'est vrai. Je comprends rien. Vous m'avez pris des agents secrets. Vous avez bossé avec des traîtres alors que c'était, on va dire, apparemment, avec Golding et tout ça, des choses que vous vous donniez avant. Vous avez ruiné ce petit fil qui nous liait. Exactement. L'a pas ruiné, c'est lui qui est venu dans le Sud. Mais pourquoi Kibé Vous l'avez quand même dit en public, ça sert à quoi cette tradition, entre guillemets. Une tradition. Écoutez, moi, c'est vrai qu'elle est dit, non ? Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, messieurs ? Non, mais on parle pas à vous, on parle à personne concernée. Non, mais même à Clem, au final. Parce que, écoutez, au final, nous, on est un peu comme vous, dans ce sens-là. Nous, on est quelque part un peu les instruments de notre gouvernement. Et si le gouvernement prend des décisions, écoutez, nous, on les soutient parce qu'on est d'accord avec leur politique. Et si ça va vraiment à l'encontre de qui on est, on rend le badge et on part. Mais écoutez, ce n'est pas pour autant notre faute qu'ils ont collaboré avec le PCRD. Attendez. Je rêve, vous voulez entendre me dire que ce n'est pas nous. Non, non, il a bien dit que ce n'est pas nous. Vous voulez venir, ou pas ? Comment ? Excusez-moi. Je suis d'accord sur le fait qu'on retrouve qu'il y a qu'une seule opinion de notre gouvernement, mais... Allô ? Là, le problème. Allô ? En fait, ils voulaient pas qu'on vienne tous. J'ai la haine, donc je suis tout seul là avec eux. Ok, nous on a la frontière, c'est pas. Ça tirait de partout, c'est la guerre là. Mais là, ils ont leur capitaine et le chef du service secret là en otage. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils ont le côté nord, on a abattu tout le côté sud. Même sa mèche, il a tiré, tout le monde a tiré là. Jure la vie de. La vie de ma mère, c'est parti en couille de fils de. Mais pourquoi ça a tiré, c'est passé quoi ? Mais parce que je sais pas, dès que t'es parti, ils ont. Le LSPJ, ils se sont dit, vas-y, on a la supériorité numérique, ils ont commencé à allumer. Ça a répondu de notre côté et bah, ils se sont fait éteindre. Ah ouais, je suis mort. Ça... En fait, c'est la guerre de bâtards. Mais là, il y a tout le monde, là, les Nords, il y a les Rednecks, il y a les Paradise, restez, j'arrive. Il y a tout le monde. Vas-y. Ah, moi, je vois qu'une seule personne coupable à l'heure actuelle, c'est votre gouverneur qui prend des décisions pas vraiment relationnelles. Je pense qu'il faut les torturer. J'adore vos mocassins. Merci. Ah, il va falloir trouver quelque chose, il va falloir, Non, t'en m'envoie d'avoir une démo. C'est un peu trop facile de vous libérer comme ça, après tout ce que vous avez commis, là, ce soir. Comment ça, vous libérer ? Ouais, c'est bien ce que je dis, on va pas les garder éternellement ici, hein. On n'a aucun intérêt à faire ça. Pour moi, ça serait quelque chose, demander une monnaie d'échange, il va nous falloir quelque chose. Bah, j'ai bien une idée, hein. Nos chacals et nos renards se nourriront bien de la chair de l'OSSS, non ? Ils n'ont jamais goûté à ça. Vu qu'ils ont voulu garder des traîtres. Ce qui s'est passé ce soir, c'est un envahissement. Vous savez qu'on ne peut pas laisser passer ça. Hein. J'entends, mais on a eu un accord, Copperfield. On s'engage à discuter avec notre gouvernement et faire en sorte que les traîtres du BCRD vous soient restitués en bonne et due forme. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu... On a eu trois fois des juges, deux fois des procureurs, je ne sais pas. D'accord, oui, vous avez eu des rien gens... Rien n'a jamais été respecté. Dans l'heure, ça pétait. Et c'était le gouverneur qui nous baisait. Donc vous allez négocier avec le mec qui nous baisse à chaque fois qu'on trouve quelque chose ? Copperfield, j'entends. Mais vous avez vu jusqu'à maintenant des personnes qui ne tenaient pas leur parole. Moi, c'est différent. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que le gouverneur entende vos revendications. Très bien ? Comme on l'a énoncé à plusieurs questions téléphoniques, Copperfield, on veut éviter à tout prix le conflit armé. Malheureusement, ce qui est certain, c'est que si ce soir on disparaît, le conflit armé, il approchera à grands pas. Et il n'y aura rien pour freiner les ardeurs du Sud. Mais vous croyez vraiment que j'ai envie de vous buter, vous ? Par contre, le membre de l'USS, oui. Hein. Mais lui, c'est pareil. C'est le directeur des services secrets, Copperfield. S'il calme, il y aura trois têtes qui vont repousser dans les services secrets.
Et ces gens-là seront certainement enclins à se venger. Vous allez simplement renforcer la haine entre le sud et le nord. Et on va vraiment atteindre un conflit armé cette fois. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Ce qui vient de se passer en même temps, on est aussi un peu au bord, on l'a dit, le ciel de la guerre. Hein. J'ai un marché à vous proposer pour éviter cette guerre. Ah ben. Vous voulez rejoindre la BCRD? Rejoindre le BCRD? C'est quoi BCRD? Non, je vous les donne, je vous les rends. Vous en faites ce que vous pourquoi voulez. Ces changements soudains Parce que là, je suis peut-être pas en position de négocier, je négocie ma vie. Ah, d'accord. Donc il fallait qu'on soit au bord de la guerre pour que vous écoutiez ce que nous on réclamait depuis le début. Ouais, c'est trop facile. Bon, j'imagine qu'il va falloir l'approbation de votre gouverneur, et votre gouverneur va certainement dire oui, oui, et il va nous embrasser dans le cou avant de nous enculer, c'est ça? Ça, après, ce qu'il dira, ça le regarde. J'expose les faits, voilà tout. Il dira, ça le regarde, mais est-ce que ça nous garantit de les avoir? C'est à ma parole que vous les aurez. Mais c'est pas. Écoutez, juste qu'on soit clair, si McLean s'y engage, croyez-moi que ce sera fait, c'est lui qui tient les rênes du service. Non, mais vous êtes engagé un milliard de fois avec nous. On a essayé. Non, je vous garantis, des gens se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Ce qu'a dit Gordon ou autre, ce n'est pas de son ressort, d'accord. Ce n'est pas lui qui tient les rênes. Tout ce que les autres ont pu dire par rapport au secret de service, que ce soit les marshals ou autre, c'est pas eux qui tiennent les rênes, mais la seule personne qui tient le secret de service, c'est moi. Si je vous dis que vous les aurez, vous les aurez. Non, mais. Et si votre gouverneur vous dit de pas nous les rendre? Vous en faites pas, je négocierai avec lui. Attendez, à 5 minutes, vous disiez que vous répondiez au truc du gouverneur, et maintenant vous pouvez plus répondre. Vous dites que c'est le gouverneur qui vous les a. Je vous explique. Vous savez qu'il y a des négociations qui est possible. Vous négociez jamais. J'arrive une seconde. Alors, si vous donnez un ordre, vous n'allez pas réfléchir une minute et peut-être essayer de négocier. Par exemple, si le gouverneur dit quelque chose, vous dites, mettre une balle dans la tête de votre commandant, vous allez le faire. Ça vous plaît? Ah oui, c'est pas mal. Hein. Oui. Vous savez, j'aurais demandé quoi, moi? Un territoire. Vous allez réfléchir, vous allez discuter. La zone 52, on a un territoire dans le centre. C'est ça la différence entre nous. C'est le core center côté de l'université. Nous, le gouverneur nous dit, faites ça, on fait ça. Ah bon? Bah oui. Proposez quoi, vous, de votre côté? Comment ça? De pas vous abattre. Venez voir Golding. Attends. Moi, c'est très simple. La proposition que j'ai, c'est qu'il y en a un de vous qui va pas sortir d'ici ce soir. De toute façon, un seul par passer le message, ça suffit. Hein. Oui, c'est vrai. Comme ça, ça nous fait une sécurité en attendant de voir. Comme ça, vous récupérez pas votre traite et. Non. Écoute-moi bien. D'accord. Les traîtres, maintenant que vous avez tiré tout le lait qu'ils ont, on en a rien à foutre. On n'a rien tiré du tout de Colby. Et les traîtres, si on veut les avoir, on va les avoir. C'est une question de temps. Parce qu'on est tellement bien dans le sud qu'on vient baiser vos femmes et faire ce qu'on veut dans le sud. Bien dit ça. Ça fait 8 jours que vous les cherchez, que vous avez essayé de les attraper, je ne sais pas par quel mois, parce qu'il a subi plusieurs attaques. Et bizarrement, personne ne l'a encore. Hein. Je vais rectifier quelque chose de très, 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 très simple avec vous, Seigneur. On n'essaye pas. On a essayé une fois. Et on a eu l'un d'eux. Et on l'a rendu. Vous savez pourquoi? D'accord? Parce qu'il y a eu une tractation de négociation entre nous et vous. Nous avons toujours été les personnes qui ouvrent le dialogue avec vous. Et vous avez toujours été les putas dans l'histoire. C'est une vraie idée de parasite, ça. J'ai une idée. Ouais. Vous demandez à ce que votre ambassade du Nord dans le Sud, ça soit vous le placez dans le quartier de King. On demande une ambassade en prime. Ah putain, une ambassade. Oui, mais ils vont demander une dans le Nord. Vous vous en foutez. Ouais. On leur dit une ambassade dans le Nord en attente de notre erreur. Oui, c'est ça. Parce que là, ils ont merdé ce soir. Pour l'instant, c'est eux qui doivent faire un pas en avant. Donc vous leur dites une ambassade et dans le quartier à King. Du coup, vous avez le droit de vous diriger jusqu'à là-bas et vous y allez un, deux, trois soirs à 20-30. Mais juste pour mettre pression, pour vous mettre debout et dedans, et c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais on récupère les lieux, du coup, hein. Ah, bah, ce sera en quelque sorte un endroit où on pourra discuter, oui, c'est bien.
Apparemment, ils ont vraiment envie de négocier ces personnes-là, comme si... Ils n'ont pas le choix, on a le directeur de l'ESSS, c'est le capitaine de police. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est ça me donne gros... l'impression comme s'ils avaient un peu tout le jus de ce qu'ils avaient besoin d'eux. En fait. Je pense que ça... tous les services publics régissent de ces deux personnes. Ah oui, je pense. Hein. Lui, apparemment, il peut négocier. Ouais, mais ils mettent en place des voitures diplomatiques et tout, wesh. Alors, vous savez qu'il y avait un acteur en place avec... Ah, mais Golding. Regarde-moi dans les yeux, putain, mal. Regarde-moi dans les yeux. D'accord, très bien. Est-ce que tu crois qu'après tout ce qui s'est passé ce soir, on va tenir encore des accords? Encore une fois, c'est bien plus... Mais dans tous les cas, ce sera l'ultimatum. Copperfield l'a dit, s'il ne reste pas Carlin, ce sera une balle dans la tête à la sortie d'un restaurant sans discuter. On ne va pas les garder éternellement. Voilà, ils sont gardés, on est d'accord. Mais moi, je pense que ce qu'il a dit, c'est bien. Donc, BCRD, la libération, les thunes, on s'en fout, en fait, je ne vais pas les demander. Voilà, on demande une ambassade, c'est bien. Et l'ambassade dans le quartier de King, on récupère le quartier de King. Et vous mettez en place des voitures diplomatiques, tout ça. Ouais, vous prenez des passeports diplomatiques, tout ça. Ouais, voilà. Mais pour moi, vous ne le verrez pas de son quartier. Vous ne le verrez pas. Vous juste vous placez à l'intérieur. Non, si. Mais si, on le vire de son quartier. On récupère ça en ambassade. Ah, c'est une bonne idée. Et c'est l'LSPD qui s'en occupera. Mais oui. Ce sera leur boulot. Ils n'auront pas le choix. Exactement. Comme ça, c'est encore une autre activité que de nous mettre la pression gratuitement. Allez-y. Ceux qui voulaient utiliser l'hélicoptère, ils pourront à ce moment-là. On fera une petite activité. Pas bête. Ça fera 100 000 dollars, l'idée que j'ai eue. Ah oui, quand même. Vous ne comprenez pas comment se passe une justice, en fait. Je peux lui mettre un coup. Pardon. Pardon. Si, on comprend tout à fait. Vous êtes en train de votre justice, vous inquiétez pas. Vous êtes en train de faire la morale. Levez-vous, capitaine. Membre éminent des ministres du gouvernement du Nord. Non pas, ça n'a aucun cachet. Nous sommes avant tout dans votre état à des membres du barreau de votre super justice que vous dites qu'on ne comprend pas. Mon Dieu. On les a étudiés, vos textes de loi. Hein. On les connaît. Oui, ils ne sont pas très moraux. Hein. Non. Non pas. Bon, nous Donc avons. Arrêtez de rejeter la balle sur les autres, s'il vous plaît. Ce n'est pas vraiment une proposition. Couilles. Nous sommes prêts à discuter un peu quelques éléments, mais nous savons ce que nous allons vous demander. Et au vu de comment ça a dégénéré et le fait qu'à chaque fois qu'on fasse quelque chose, parce que derrière vous avez réenvahi encore avec vos hommes qui ont voulu vous libérer parce qu'on vous était là. Ça pèse encore quelque chose dans la balance. Hein. J'ai encore perdu des hommes. Il va péter son crâne, King, frère. Donc, la libération du BCRD. Ouais. La livraison. La libération de Kenneth, qui est actuellement enfermé en prison. Parce qu'on est Chauvin. Oui. Ouais. On protège les habitants du Nord. Et le dernier point, on veut une ambassade dans le Sud, dans le quartier de King, qu'il soit exproprié de son endroit et que ça devienne une ambassade du Nord. Bien évidemment, tout ça par vos soins, Seigneur. Oui. Comme ça, ça vous fait une occasion de sortir les... L'ambassade, nous vous la payerons, bien entendu, pour la somme de 300 000 dollars pour l'achat des lieux, parce que nous sommes des gentlemen. Oui, exactement. Vous n'êtes pas des voleurs, effectivement. Très bien. Très bien. Très bien. Capitaine. Oui, entendu, on passera le mot au gouvernement. Non, non, il n'y a pas de mot. Non, ne passez pas seulement le mot, faites en sorte que, d'accord. Oui, nous allons si faire en sorte que cet accord n'est pas respecté, parce qu'à chaque fois, ça n'a jamais été respecté, vous m'avez dit que vous n'avez qu'une parole. Très bien. Il n'y aura rien, c'est-à-dire que quelqu'un va vous voir sortir d'un bar et vous mettra une balle dans la tête. Exactement. Oui, c'est entendu, très bien. Et, vous savez et c'est de bonne guerre. Peut faire ça. Tout à fait. Oui, c'est de bonne guerre, effectivement. Nous avons un accord ? Oui, on est en accord, très bien. Répétez ce que j'ai demandé ? Le BCRD. Ambassade BCRD, Kenneth. Oui, je demande est-ce que je suis l'ambassadeur. La vie de ma mère. Le quartier de Vainwood. Sa grand-mère, je revendique. Avec, en les expropriant de leur terre. Des black disciples, exactement. On les exproprie. Je demande. Oui, si. Mais, et bien sûr, nous vous ouvrirons une ambassade pour vous. Concernant cette ambassade, je ne suis pas sûr que ce soit accédé par le gouvernement. Néanmoins, vis-à-vis de Kenneth. Et le BCRD, je ferai tout ce qu'on boit. En ce qui concerne l'ambassade, je vais faire du mieux de mon côté. Patron, est-ce que vous avez l'air de négocier avec eux ? Ben non, je négocie pas. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris. C'est pas... le fait où vous n'êtes plus, en fait.
Bien dit, sale daron. Oui, bien sûr, ce sera fait. Très bien. Oui, la moindre des choses, ce serait au moins de s'excuser envers des personnes qui se sont fait abattre ce soir. Oui, c'est vrai. Ils sont juste devant vous. Oui, blessés. Non, blessés. Du coup, je représente encore une fois nos les plus sincères excuses. Nous les acceptons pour cette fois. Bon, on peut les relarguer là-bas. Hein. Et je tiens encore une fois à rappeler que le capitaine n'a rien à voir dans cette histoire. Mais... Écoutez, on va vous expliquer autre chose. Je comprends bien, mais c'est quand même dans les pour nous, c'est la merde. Très bien. Voilà. Pour nous, LSPD, USSS, US Marshall, vous êtes la même merde. C'est pareil. J'en ai un. On ne fait pas la différence entre un LSPD ou un USSS ou je ne sais qui. J'en ai qu'un. C'est quoi ce pain de fouille? Je ne suis quand même pas très convaincu, hein, monsieur l'USS. Je crois que si, 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 je suis convaincu. On a un, mais on a pas le deuxième. Quand on perd une bataille, c'est compliqué. Ah, vous savez, on en a perdu une grosse avec le BSR dès qu'il vous a rejoint. On était comme vous il y a encore pendant quelques jours. Chacun son tour. Exactement. J'espère qu'il n'y aura pas d'envahissement de territoire demain. Non, du tout. On va faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Enfin, on va pas faire en sorte, on va faire que tout se passe pour le mieux. Non, que vous fassiez des choses dans le Nord, c'est de bonne guerre. Mais qu'on en vienne à des forces armées, à savoir qui sortira le plus gros engin, c'est ridicule pour tout le monde, je pense. Tout à fait. Je pense que maintenant vous êtes conscient de quoi on est capable. Bon, bah eux aussi ils sont capables, vous inquiétez pas. Hein. Oui, allez, on les raccompagne. Il n'y a aucun doute sur ça, oui. On les menotte et on les masque. Oui, c'est ça, il faut les remasquer. On fera ça au parquet. C'est ça. Et qui est la chaise là? Bah. C'est bon. Mon père. Ouais. Oh, merde. Ennemi du Nord. Bordel de merde. Ah, faut quand même vendu. Faut retourner jusqu'au parking. Ah. Les gars, toutes les courses poursuites qu'on se mange, tous les trucs. Encore heureux, je lui mets des pêches. Ouais, tournez-vous, monsieur. Excusez-moi. Je voudrais être ambassadeur du Sud. Enfin, du Nord pour le Sud. Eh bien, très bien, Arden. Vous êtes officiellement l'ambassadeur du Nord pour le Sud. Parfait, ça veut dire que je dois assister au moment où il le vire, etc. Absolument, oui. Bah, Hitler, bien dans la... Hitler, je vais vous donner le contact de l'ambassadeur du Nord. Hitler, vous allez me donner mon contact. Je vous donnerai le contact de l'ambassadeur, une fois que ça sera en place, qui viendra pour... Tu peux le mettre dans la caisse Dans le fond, je préfère mourir qu'être un pops. C'est des balances dans les cops. Faut que le mauvais côté droite. Zach est mort comme tous mes hops pour nous faire la guerre. Dis-moi y'a qui, aux hommes qu'on a roulé comme maquis. Mais moi si on aime pour la 13, on te coupe la tête comme y'a.